Arab world. 9-11. Le 11 septembre. Producing diamonds, mass producing, mass producing. Whether they're called ISIS. Whether they're called ISIS. This happened. Islamic State in Syria. Or they are called ISIL, Islamic State in Libya. This is one, Libya. Or they are called Hezbollah. Or they are called Boko Haram. Arab world mass producing tyrants. Alors, le monde arabe a produit des tyrans. And then the Lord said to us that they will get to a point that they will become so confident in themselves. Alors, le Seigneur disait qu'ils vont atteindre un niveau tel qu'ils seront confiants seulement en eux-mêmes. That they will now, you know, think they are going to take over the world. Ils vont atteindre le point tel qu'ils croient qu'ils vont pouvoir posséder le monde entier pour eux-mêmes. But that He, the Lord, will rise up and break their bows and arrows. Alors, lui, le Seigneur, va se lever maintenant et puis casser les eaux et puis détruire. How does the Lord rise up on earth? Comment le Seigneur va se lever sur la terre? How did he rise up in the days of Joshua? He found a man. Comment s'est-il levé au jour de Josué? Il s'était trouvé un homme. How did he rise up in the days of Esther? Comment s'était-il levé au jour d'Esther? How did he rise up in the days of Mordecai? Comment s'était-il levé au jour de How did he rise up in the days of Deborah? Comment s'était-il levé au jour de Deborah? How is he going to rise up today? Glory. The Lord said he will rise up and he will break the bows and arrows. Et le Seigneur dit qu'il va se lever lui-même pour casser ses os et même sur leur flèche. God of times and seasons. Le Dieu des temps et des saisons. Therefore, alors, what is the season in which we are? Quelle est donc la saison dans laquelle nous nous trouvons? You know, we keep saying Shemitah season, Shemitah season, Shemitah season. The name in Hebrew is called Shemitah. Vous n'avez pas pris le racisme de Shemitah en hébreu. C'est un nom qu'elle donne en hébreu. What is Shemitah season? And what has it got to do with the Arab uprising? And what has it got to do with their seasons, their times and the seasons in which we are? Qu'est-ce qu'il va donc faire avec toutes les actions des tyrans islamiques? Et qu'est-ce qu'il va faire avec cette saison présente dans laquelle nous nous trouvons? To start with, so I can stop exactly after 1 hour. To start with, I want you to take note of some scriptures. I won't read them. Donc, pour commencer, prendre note de quelques écritures bibliques. You know that God gave us the Ten Commandments. Nous savons que Dieu nous a donné les 10 commandements. He gave us the Ten Commandments in Exodus 21 to 17. Il nous a donné les 10 commandements d'Exode. Exodus 21 to 17, the Ten Commandments. And we all agree the commandments are 10, isn't it? Who wants to say that it is 9 commandments? Qui voudrait dire que c'est 9 plutôt? Raise up your hand. Alors lève ta main. Is it 9 commandments? Est-ce 9 commandements? Is it 10 commandments? Yes. Very good. And one of the commandments says, remember the Sabbath day to keep it holy. Et l'un des commandements dit, souviens-toi du jour de sabbat pour le garder saint. Let me pause and tell you that it's difficult to talk about the Sabbath. Je vous assure qu'il est difficile de parler du sabbat. I am not in any seven-day Sabbath church. I am just a normal, ordinary Pentecostal. Je ne suis dans aucune des églises du septième jour. Je suis juste une chrétienne normale. But any day God tells me to talk about the Sabbath, I do it boldly because each time after talking about the Sabbath, He gives me a present. Mais il fut un jour le Seigneur, chaque fois qu'il a demandé de parler du Sabbat, elle s'est levée pour parler courageusement.
Because he says to me, it's a dogma and it is difficult to break through it. Parce qu'elle sait que la présence de Dieu avec elle, bien que ce soit difficile à dispenser. So, the Sabbath is one of the commandments. Are we in agreement? Yes. Alors, le sabbat est l'un des commandements. And so the Lord said, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. And we say, we agree, isn't it? Very good. Thou shalt not make any graven image. We agree, right? Okay, fine. Uh-huh. You will not take the name of the Lord in vain, isn't it? Elle est en train de réciter les 10 commandements, n'est-ce pas? Et nous agréons. Okay, now. Then he comes and he says, hey, remember the Sabbath day to keep it holy. And then we say, what is that? Et quand il revient, don't you? That is Old Testament. When Jesus came, he said man was not made for the Sabbath, but the Sabbath for the man. Alors quand il s'agit du sabbat, il dit donc que Dieu a créé le sabbat. Et quand on dit le Seigneur demande de garder le jour du sabbat comme saint, tout le monde est d'accord, mais d'autres disent que mais Dieu a créé le sabbat pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. Go back and read the commandment. It is the longest one that God took time to keep on explaining and explaining. He said, you know, I mean, that is to say your mates and your housemates and your house helps or whatever will rest. And even the animals will rest. I say, maybe the day of rest. Because I rested. Alors, Dieu pourtant a pris du temps pour lui expliquer à l'homme ce que c'est que le sabbat. Il est allé même dans les détails que tes animaux se reposent, que tes esclaves te reposent, que toi-même tu te reposes, parce que moi-même je m'étais reposé après avoir travaillé. Mais on va dire que c'est l'ancien. Il dit, keep it holy. Il dit de le garder saint le sabbat. Praise the Lord. Gloire à Dieu. And then suddenly they came and they said, Sabbath is no longer Saturday, we worship on Sunday. No problems, we're supposed to worship 7 days in a week. He says, pray without ceasing. I mean, I have no problems with worshiping on Sunday or Monday or Tuesday. But Sabbath is a day dedicated by God that we will give him worship. Alors soudainement les hommes ont changé, on a dit le sabbat ce n'est plus le samedi, c'est le dimanche, c'est pas un problème, nous pouvons adorer Dieu tous les jours, mais and then we don't quarrel when they say thou shalt not kill, we say that is wonderful, we even make it a law of murder. Alors on pourrait dire ne tue pas, oui c'est vrai, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not, oh we accept, nous tous nous allons accepter. And then one single one we reject, don't you know that it is because there is something in it that Satan is hiding from you and me. Alors donc des 10, si nous acceptons tout le reste et que nous rejetions en seul, ne savons-nous pas qu'il y a quelque chose que l'ennemi a vu derrière et qu'il voudrait nous cacher? Even in the world, even in the world, they make it seem like, the sabbatical leave, they give sabbatical leave even to lecturers. You know about it? It's from the Sabbath, isn't it? Okay. They hide it from you and they use it for themselves. Alors, on nous cache et ils utilisent eux-mêmes. Even in the days of the Old Testament, you were to walk and pick manna every day, except on the Sabbath day. And yet, there was manna for the Sabbath. Même au temps de l'Ancien Testament, on pouvait ramasser la manne tous les jours, mais excepté le jour du sabbat. Fine, that is the beginning of the law of Shemitah. C'est ça donc le début des lois de Shemitah. Now, what is Shemitah? Alors, Shemitah, c'est quoi? Okay. The Lord says every week, give one day solely to worship. Alors le Seigneur te demande juste un jour pour pouvoir l'adorer simplement. And how are we to worship? Not like they did in the Old Testament, but watch the way Jesus observed his own. Pas l'adorer comme au temps de l'Ancien Testament, mais suivant le modèle de Jésus-Christ. He didn't say somebody is ill, so we won't heal the person because of Sabbath. Il n'a pas dit quelqu'un est malade, ne le guérit pas parce que c'est le jour du sabbat. He didn't say somebody is hungry, so he cannot eat because of Sabbath. Non, il n'a pas dit quelqu'un a faim, ne mange pas parce que c'est le jour du sabbat. But the Bible says, as his custom was, he went to the synagogue every Sabbath.
Mais Jésus, lui, tous les jours de sabbat, il allait au synagogue. And why did the Bible carefully mention that it was Sabbath? Et pourquoi la Bible mentionne clairement que c'était le jour du sabbat? I read Bible on the surface. I don't know any other one. In the English, if it is not clear to me, then too bad. But that is the English I see there. Alors, c'est l'anglais qu'elle a lu simplement et couramment dans la Bible. So that is a weekly matter. Là, ça, c'est le problème de semaine. Then every seventh month, if you read Leviticus 23, you'll see all that I'm si on lit Lévitique 23, nous allons voir tout ce dont il est question, ce qu'elle est en train de parler. The Lord declares feasts all over that month. It is a sabbatical month. Remember, seventh day, we're finished with that. Seventh month, okay, Sabbath. Donc, sept jours, sept mois, parlant du sabbat. Then when you read Leviticus 25, from 1 to 10, the Lord says every seventh year. Le Seigneur dit dans ce passage que chaque sept ans. Now he did not even just say you will keep. He said the land will keep a Sabbath unto me. The land, creation. Il dit non, creation will enter into rest. Toute la nation devrait garder. Creation will worship. Toute la création devrait garder. And you know when he makes his laws, because they are divine laws. Et quand il fait sa loi, elle est divine. You know, inside the law of God is the ability for implementation. That is to say, the law of God has inside it the essence to bring it forth. You know, the power to make it manifest. Il y a la puissance, l'essence. Pouvoir réaliser cela. So whether you like it or not, every seventh year the earth begins to rumble. Alors que tu le veuilles ou non, tous les sept ans la terre, le monde entier, la création entière devrait. Because there is a divine law above every other law that is speaking liberty. Parce qu'il y a une loi divine au-dessus de toute autre loi qui parle de la liberté. Brothers and sisters. Sœurs et frères. The year 2014 to 2015 is a seventh year. Yes. Alors l'année 2015 est la septième année. Yes. So if you see yourself feeling very uncomfortable, alors si tu sens que tu es inconfortable, there is a release, there is a breaking forth that God wants to bring your way. Alors il y a quelque chose, Dieu voudrait te libérer. Don't take it for granted, ride on the crest of it. Alors ne prends ça pas pour acquis. Onto the other side. This particular year, we normally have retreat every end of the year to enter into a new year. Cette année particulièrement, nous prenons souvent la retraite avant d'entrer dans l'autre année. This particular year, the Lord said to us that we should come in for 7 days. Did you hear 7 days? Le Seigneur nous a demandé particulièrement de prendre 7 jours de retraite. And then he began to say things like, he said, pray into the destiny of your children. Does it sound like a 7 year prayer? Yeah. Et donc, ils ont commencé, le Seigneur a commencé à leur dire de prier par rapport à la destinée de leurs enfants. Pray to build the pavilion of your children in the spirit. That is to say, whatever position they have in the future, pray into it now. Donc, prie pour la destinée future de tes enfants dès à présent. He said, pray and call for your inheritance and your portion and delineate your boundaries with the blood of Jesus. Alors, dans la prière, essaie de donner la limitation. Prophétise, prie et demande tout ce que tu veux à Dieu. Positionne-les. He said, pray and cut off every Ahab that is interested in your portion. Whether it is in your portion as an individual or a family or a nation or a continent or a body like wedding women, pray and cut off the Ahab. Prie et quels que soient les liens, les attaches, les relations, les connexions avec Ahab, coupe et sépare-toi, sépare ses enfants, sépare. Are you understanding the tone of the seventh year? Est-ce que vous avez un prayer of liberty. La prière de liberté. So if God comes today to pull down four statues of liberty, that he may raise his own symbol of liberty in America. Alors ne négligeons pas parce que nous avons vu le signe aujourd'hui. Dieu même est venu exposer cette cause, statue de la liberté qui se trouve sur les eaux aux États-Unis. Il est venu renverser afin d'ériger sa véritable statue de la véritable liberté.
And then he said, pray that the angels that is bringing down your, you know, portion or whatever it is that is coming for you, because it's a year of reward, a year of release, will not be waylaid. Alors prie que les anges de Dieu qui sont en action puissent apporter ta portion, tout ce qu'il t'est dû, qu'il n'y ait pas de retard par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi. He said, pray for divine realignment. Because many things have been out of joint. C'est la prière pour le réarrangement, pour le nouvel réalignement. God doesn't rise up the way he rises up in the seventh year all the time. Dieu ne se lève jamais tel qu'il le fait à la septième année. So if you miss it and you don't understand that it's a season that is come upon us, then by the 13th of September, you will pray no more. Alors, si nous ne comprenons pas le temps de Dieu, cette saison à laquelle nous nous trouvons, alors nous risquons de rater et nous retrouvons de l'autre côté. And he said, pray for 100% accelerated restoration. En cette septième année, Dieu se lève pour accélérer pour la restauration. Then he said, pray. You know, because star hunters are out. Why are they out? Alors, because they have seen the star. Pourquoi les cornes sont dehors? C'est parce qu'ils ont vu of the church. Ils ont vu l'étoile de l'église. Ton étoile, mon étoile. Cut off the spirit of Herod. The other one was Ahab. Now Herod. Maintenant c'est l'esprit d'Hérode. On a coupé celui d'Achab. Il faut couper celui d'Hérode. And then he says, you know, the spirit of Herod blocks destiny helpers. He said, call forth your destiny helpers. Donc l'esprit d'Hérode bloque les destinées parce qu'il voit nos étoiles. Alors il faudra le renverser. Do you understand why he gave us such prayers? And then The prophecy of the beginning of the year was circulated round wedding women worldwide. Are we praying? That prophecy was sent to all the wedding women. Donc cette prophétie a été envoyée à toutes les femmes heureuses. Est-ce que nous l'avons reçue? Est-ce que nous l'avons lu? Est-ce que nous avons compris? And finally, I conclude with the Shemitah. Et finalement, je conclue avec. So every seventh year. Toutes les sept années, read Deuteronomy 15, 1 to 3. Don't read it now. I'll tell you what is that. The Lord says, it shall be a year of relief. Le Seigneur dit dans ce passage que ce sera l'année de la libération, de relâchement. Anybody who had lent money to his neighbor and finds out the neighbor cannot pay, and that neighbor is a Jew or a Christian or whatever, release. Si quelqu'un te doit même et qui n'a pas pu payer depuis, sache que c'est l'année de relâchement, de libération. He said because it is the year of the Lord's release. Il dit ça parce que c'est l'année de relâchement. The Lord wants to release unto his people. Therefore he says, like the widow of Zarephath, even if you don't have, give. He wants to pass through something. Dieu voudrait passer à travers quelque chose pour apporter le relâchement. Anything that is Sabbath carries a double portion. Tout ce qui est sabbatique porte la double portion. They did not have to go to work on the Sabbath. This whole year in Israel, they are not planting. The farmers are not planting. They don't know how they are going to eat. But the Lord is feeding them. Que ce soit en Israël, en cette année, ils n'ont pas cultivé, mais ils ne se soucient pas parce que quand on ne le fait pas, la double portion est là parce qu'ils comptent sur Dieu et ils obéissent à ce qu'il dit. For the first time, the government of Israel has released billions to feed, to just supplement and give to the farmers who are not planting. Who told them to do it? Pour la première fois, le gouvernement d'Israël a donné des suppléments à la nourriture aux peuples qui n'en avaient pas. Qui leur a dit de le faire? C'est Dieu lui-même. And then the last day, because Deuteronomy 15 says, at the end of the Sabbath, at the end of the Sabbath year, you will make a release. Et le dernier jour, comme dit Deuteronome 15, il dit en ce dernier jour, tu devrais libérer. That is to say, the last day that opens into the next year. Le dernier jour qui s'ouvre sur la is when you will sit and declare between you and God,
father A has been owing me or has not pleased I've rejoiced. Quand tu vas te tenir devant Dieu, dis que est-ce qu'elle me devait ou je ne sais pas ce qu'il faut faire. Because God wants to be the one to pay you. Parce que le Seigneur voudrait te payer lui-même. Amen. So listen to this as I close. Alors écoute à ceci pendant que je conclue. Now the Shemitah year for this year is the 13th of September. Anybody that knows the way to Israel, make sure you are in Israel on the 13th of September. Le 13 septembre. If you don't know how to go, meet Sister Gloria. Alors si tu voudrais aller, voilà Mama Gloria. We will be in Israel on the soil of Israel on the Shemitah day. And let me explain a little the Shemitah day. Je voudrais donc expliquer un peu. It is the last day of the Sabbath year. C'est le dernier jour de l'année du sabbat. The calendar of Israel is different, so that is when it is. Le calendrier du sabbat est différent de tout le monde. On that day, en ce jour-là, the rabbis will come into the temple. And then they will actually write it out. A was owing me, B was owing me. I forgive the debt. I forgive the debt. I release this. I release that. They are doing it symbolically on behalf of others who are doing it in their homes and families. But do you know something, sisters? Sometimes we say it is law for Israel, but listen to this. The year 2001 was a Shemitah year. En 2001, c'était l'année de Shemitah. And by the beginning of September, nobody knew there would be a stock a market crash. Alors, et par le début du mois de septembre, people who know it bear me witness. In the beginning of September 2001, there was nothing that looked like stock market crash. Alors, au début du mois de septembre 2001, rien ne laissait paraître que ça va être la destruction. But on the 11th of September, the Arab world and their tyrants struck. Mais le 11 septembre, the economic towers of America. Alors, c'était la chute des tours là. And on the 17th of September, there was a world market crash. Et le 17 septembre, c'était la chute boursière. At the level of however they calculated 0.7, yes. Still 7 again. That was 2001. And the 17th of September, if you don't mind, was the day the rabbis were releasing debts. It is a day of judgment. The 17th of September was the Shemitah day, the same day that they normally sit in the temple to release debts. That is the same day that the stock market in America crashed. At the same time as the people were releasing debts, God was crashing a deceptive financial system. Donc, le même jour du 17 septembre 2001, oui, relâchait les lois de Schmitt. En même temps, le Seigneur faisait brûler le marché c'était aux États-Unis. And you know, God works in seven-year cycles. Le Seigneur œuvre dans un cycle de 7 ans. So, now you would think God is slow. Maintenant, tu peux croire que Dieu est lent. But in this season, we will know He is not slow. Mais en cette saison, nous verrons qu'il n'est pas là. Because this particular seventh year is not just an ordinary seventh year. Parce que ce 7 ans n'est pas simplement cette année ordinaire. It is a 49th year. That means 7 times 7. Donc c'est 49 ans, 7 fois 7. And every 49th year takes us into Jubilee. That means from the 14th of September, we enter global Jubilee. Amen. Et ces 49 fois nous conduisent dans le Jubilee. And that is when you blow the trumpet of release. And because the occultic world does not want you to see and enter into that release, so they can hijack it, they make you lazy. Et le monde occulte connaît très bien, c'est pourquoi il fait tout pour nous rendre paresseux. We have to rise up in our spirit. Nous devons nous lever en esprit. We have to pray to enter into Jubilee. Pour faire notre entrée. And the divine
divine mathematicians, et comme les mathématiques divines, they say that this particular jubilee will be the 70th jubilee since the world began. Alors, ils disent que ce jubilé va être le 17e. That is why we must understand the seasons of God. 70 again, another 70. So because nobody understands how God flows in seasons like that, nobody understands what God will do. Personne ne sait ce que Dieu va faire dans les saisons comme celle-ci. Our own part is to ask Him to align us. Alors notre devoir c'est de lui demander de nous aligner par rapport à ce qu'il est en train. Our own part is to get closer to Him than we have ever done before. Notre devoir c'est de chercher à nous rapprocher près de lui plus que par le passé. As we rise up and pray. Alors quand nous nous levons pour prier. A sister had a problem in Port Harcourt. Une sœur a eu des problèmes à Port Harcourt. They were going to sell their house because of some stuff in the bank. Alors, on était sur le point de vendre sa maison à cause d'une dette en banque. And so together we agreed. We said, if God is talking about year of release, let us pray this prayer. Alors, nous nous sommes accordés ensemble, disant, mais si le Seigneur dit qu'il relâche après 7 ans, mettons-nous ensemble et prions. And just before we left, et alors avant qu'elle ne parte, she came to give a testimony that everything turned around and the husband has been, you know, given liberty as regards that. Et alors, juste avant qu'elle ne parte, elle est venue témoigner disant que les choses ont tourné autrement et on a relâché la maison. Can we just rise up and say to him that kingdom come by you? Whatever you want to say to him, however you feel like talking to him, just talk to him. But the theme is, thy kingdom come in my life, thy will be done. Thy Shemitah will be done. Lève-toi et commence à lui parler en tes propres mots. Teste-toi ce qui vient dans ton cœur. Mais retiens que le thème, c'est que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Father, we just want to ask of you, Lord, that you take us on a journey. Just take us on a journey of discovery. For as you take us on this journey, you will take Europe on this journey. You will take, Lord God Almighty, my Father, different continents in the world. Oh no, the Lord is a God of times and seasons. Oh, sisters, we have entered into one of such seasons in our lives, oh God. Help us by your Spirit to capitalize on it, oh God. Help us, Lord God Almighty, not to miss out on any aspect of this season. Help us, Lord, my Father, to ride on the crest of the Jubilee that is coming. Help us, Lord God Almighty, my Father, to enter into the fullness of it, Lord God. Help us, Jehovah God, that no one aspect, Lord God, will elude us, oh God. Help us, Lord God Almighty, my Father, to have the fullness of you, oh God, my Lord and my God. You will say to me, he said, Esther, I'm going to put you in the heart of somebody, and I didn't bat an eyelid and you did it. Father, I just want to say, Lord, help me to know better how to enter into the cloud of this season, Lord, and help each and every one of us, Lord. Father, we give you thanks and praise, Lord. For in Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Praise the Lord. Amen. Agréable, Romains 12, verset 1. Agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être renouvelés, d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. And I want to say, submission has to come willingly from your heart. It's not something you force. La soumission doit venir de votre cœur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. And the best example I can think about is Isaac and Abraham. Et la personne à qui je pense, c'est Abraham. Isaac. Abraham et Isaac, autant pour nous. Abraham was about more than 17 years when God said to him,
Le Seigneur, Abraham avait 150 ans quand le Seigneur lui a parlé. Non, 170 quand le Seigneur lui a parlé. 117. And God said to him, offer your son, your only son, Isaac to me. Et le Seigneur lui a dit d'offrir Isaac comme un sacrifice pour lui. Isaac was 17 years old. Isaac avait 17 ans. I want you to imagine a 117-year-old man. Vous imaginez un enfant de 17 ans. And a 17-year-old boy full of youth. Et un jeune plein de vie. What strength has the father got? Oh yeah. Quelle force qu'un vieux comme ça pouvait avoir? That he can hold this 17-year-old boy, tie him hand and foot. Pour attraper cet enfant de 17 ans, prenez lui de donner un sacrifice. But Isaac, remember on the way. Mais Isaac est resté en chemin. Isaac asked the father. Et Isaac a demandé à son père. C'est Daddy. Papa. I can see the wood for the sacrifice. J'ai vu l'agneau pour le sacrifice. Le bois pour le sacrifice. C'est bon. Where is the lamb? Où est l'agneau pour le sacrifice? So Isaac knows that there must be a blood sacrifice. Isaac savait qu'il y avait un sacrifice, qu'il était le sacrifice. And he didn't see his father holding any ram coming. Et il ne voyait son papa avec aucun autre sacrifice. And God said, "Don't worry, God will provide Himself a sacrifice." Et Abraham a dit, ne t'en fais pas, le Seigneur pourvoira. They're going to get to the place. Et quand ils sont arrivés à l'endroit, a 117-year-old man, un homme de 117 ans, springs a rope, a donc pris to tie him, et a pris son fils. Isaac knows that, man. So I am going to be the lamb. Et Isaac s'est dit, mais je serai donc le sacrifice, l'agneau. I think Isaac would have taken to his heels. Isaac would have run very fast. Et normalement, Isaac aurait dû fuir. Did you think if Isaac ran away, Abraham can get him? Et vous imaginez que si Isaac s'enfuyait, Abraham ne pouvait pas le rattraper. But Isaac was just willing. Mais seulement, Isaac est resté disposé. He allowed his father to tie him hands and foot. Et il a laissé son père faire. But at that point, mais à ce niveau, God showed up. Le Seigneur s'est manifesté. You see, when we give our life free willingly to God, quand nous nous offrons de manière volontaire au Seigneur, let me use the word reckless abandon. Quand nous nous abandonnons totalement, God will show up. Hallelujah. Le Seigneur va se manifester. But many times we think we are wise. Mais quand nous pensons que nous sommes sages. And so we begin to struggle with God. Nous commençons à lutter avec le Seigneur. Ourselves begin to interfere. Nous commençons à interférer sur ce que le Seigneur veut faire. And that's why many of us we have reasons not to do anything for God. Et nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons pour Because le Seigneur. We're not totally submitted. Parce que nous ne sommes pas complètement soumis. Self is interfering. Parce que nous interférons. Yes. On the 28th of April. Le 28 avril. Was my husband's birthday. C'était l'anniversaire de mon mari. And Stanley called me and said, "Stanley, we have to go to Lagos and pursue our visa." Et une sœur m'a dit, nous devons aller à Lagos pour demander notre visa. And I was already preparing how they will celebrate the birthday. Et j'étais en train de m'organiser à préparer l'anniversaire. So we are leaving Port Harcourt on the 26th. Et elle dit, mais nous partons de Port Harcourt le 26 avril. I said to myself, this is wonderful. Je me suis dit, ça c'est merveilleux. Then I go to home, I said to my husband, "I think we are going to Lagos." Et je dis à mon mari, nous allons à Lagos. So you are not joking. Et il dit, mais. He said, "What happened about the birthday?" Et qu'en est-il de l'anniversaire? I said, "Don't worry, God is in charge." Ne t'en fais pas, le Seigneur au contrôle. I will call them from Lagos, everything will be perfect. Je vais les appeler de Lagos, tout ira bien. Now we go to Lagos, in my mind, I said, "Okay." At least it would get to Lagos on the 26th. Et je me disais, je vais aller au le 26 à Lagos. Even if I get it on the 27th, I can run back to Port Harcourt. Et même si je vais de toute manière, je serai rentré pour le 27. Then I will travel from Port Harcourt. Et après, je passe so à Port Harcourt celebrate the birthday. Pour célébrer l'anniversaire. But among all of us,
Mais seulement si tu as la volonté. C'est un autre qui a dit non, comment? C'est moi-même qui faisais, c'est moi qui faisais mon pas. I'm sure God was watching me. On sait que le Seigneur m'attendait. To see. Because he knew that if actually if they gave me my own that first day again, the next day I know what happened. Parce qu'il savait que s'il me donnait ce jour, le jour d'après, je devais être à Port-à-Coute. C'est ça qui can interfere. C'est mon danger interféré. And God will always want to prove you. Et le Seigneur est toujours là pour nous éprouver. And I want to share the testimony of this our little visa. Et je vais vous partager le témoignage de ce visa. The moment we go to Lagos. Quand nous sommes donc allés à Lagos. Two of them have gotten theirs, they are gone. Et deux des soeurs avaient déjà eu leur visa, ils sont partis. Six of us go to Lagos. Et six, nous sommes tous allés les six pour le visa. On the way, two of us said, oh, we got a telephone call, our own visa was ready. Nous sommes dit, non, nos visas sont prêts, il faut juste aller les récupérer. So remaining four. Mais ce n'était pas le cas. Non, il restait quatre. Il restait quatre encore, qui n'était pas prêt. Then we went to the embassy. Et nous sommes allés donc à l'ambassade. The woman came back, collected the passports. La femme est venue récupérer les passeports. Then came back to Ujabo, but I wait. Et elle a dit, toi tu attends. The rest of you, go to the embassy. No, there will be no response about the arms here. Elle a dit, ah oui, mais ça, tu peux partir, mais les quatre autres seraient restés là parce qu'il n'y aura pas encore de réponse pour vous. Non, toi, non, non, non. Toi, tu pars, mais les quatre autres n'ont pas de réponse. Non, non. Les autres partent, mais toi, tu pars. Les quatre autres, moi je n'avais pas de réponse, mais les quatre autres avaient la réponse. Ils sont partis. I said, it's my own, there is no response. So I said, that means I'm not going to go to this Port Harcourt. Bon, le Seigneur ne veut peut-être pas que j'aille à Port Harcourt. But see, God is a master schemer. Le Seigneur est le maître des maîtres. One of our sisters wants to go to Canada. Une de ses sœurs voulait aller au Canada. She didn't know how to do the Canadian visa online. Elle ne savait pas comment faire la procédure du Canada en ligne. Her house is near the French embassy. Et notre maison est proche de l'ambassade de France. I decided to go to her house. Sa maison est proche de l'ambassade de France, donc j'ai décidé de partir avec elle. I decided to go to her house to help her. Et j'ai décidé d'aller chez elle pour l'aider. After finishing there, après avoir fini, I left my document that I'm supposed to use to pick up the visa. J'ai laissé tous mes documents dont j'avais besoin pour demander le visa. We got that day we couldn't get the visa, so Sister Lade wrote a note for me to pick her own. Ce jour-là, je pouvais pas avoir le visa, donc maman l'a aidé avec une note pour moi pour que j'aie le visa. So those two documents, pour que je récupère pour elle. So those two documents were inside that envelope. Et tous les documents étaient dans cette enveloppe que j'ai laissée chez ma sœur. The previous day, Sister Lade went to her home. Le jour d'avant, ils sont venus chez moi. So as she was coming, she called me, Sam, will you anything? Elle m'a demandé, est-ce que tu auras besoin d'autre chose? I said, I've not seen anything, I've not heard anything. Did you get any alerts? Est-ce qu'il y a du nouveau par rapport au visa? Et je lui ai dit, non, pour l'instant, non, j'ai rien. She said, no. Elle a dit, non. I said, okay, you go straight to the embassy. Donc, tu vas directement à l'ambassade. So that I will go to DFS, where we normally collect, to find out if there's anything there. Et moi, j'irai de l'autre côté pour voir s'il y a quelque chose là-bas. God knew that if I had gone to that VFS, I wouldn't be here today. Le Seigneur savait que si j'allais du côté de VFS, je ne vais pas être arrivé aujourd'hui. And so he made me forget the envelope in that sister's house near the embassy. Il m'a fait oublier l'enveloppe chez ma sœur qui est proche de l'ambassade. So as I drove to the embassy, quand je suis arrivé à l'ambassade, I was about opening the door to come out. Et j'étais sur le point d'ouvrir la porte pour entrer. And the sister coming from my house. Ma soeur m'appelle de chez moi. Sister Marie. It's like you forgot one envelope in the house. C'est comme si tu oubliais une enveloppe chez moi. I forgot the envelope in the house. Une enveloppe chez toi. Then I looked at the envelope I was carrying and opened it. Et je prends l'enveloppe que j'avais sur moi et je l'ouvre. It was nothing. Ça n'avait rien à voir avec le document du visa. So I said to the driver, I said, no need. Don't need. Don't stop. Let's go straight to go and pick up the document. J'ai demandé au taxi, c'est même pas la peine de me laisser parce que j'ai oublié l'enveloppe principal. Ramène-moi donc l'enveloppe que j'ai working something out. Mais le Seigneur était en train de préparer quelque chose. I got to her house, I picked the envelope. Je suis allé prendre l'enveloppe chez ma soeur. As I go to the embassy, et quand j'allais donc à l'ambassade, there was a chain.
l'échelle. And you cannot enter. Et on peut entrer. And I was looking at Zalanda, she was entering into the embassy. Et moi, je regardais notre soeur qui, elle, entrait dans l'ambassade. I was telling her she didn't hear. Et je l'appelais, mais elle ne m'entendait pas. I didn't want to break protocol by moving the chain by myself. Et je ne pouvais pas casser le protocole en traversant la chaîne. The policeman. Et je regardais le policier. So when he caught my eyes, quand il me dit, can I pass here? He said, yeah, remove it, come. Et quand nous nous sommes croisés, je lui demandais, est-ce que je peux passer? Il m'a dit, oui, allez-y. So when I came, they have already collected all the passports. Quand je suis arrivé, ils avaient déjà récupéré tous les autres passeports. They refused to collect my own. Et yeah, they didn't collect my own. Et ils ont pris le sien également. Yeah, ils n'ont pas pris le sien. So I just sat down by the gate. Et donc j'ai attendu, je me suis assis. The man came out the first time I talked to him. He said, no, madame, just wait. Et le monsieur me dit, non, madame, attendez. Then the second time he came out. Et après, quand il y a eu la deuxième fois. Okafor, when are you traveling? Et la deuxième fois, il me dit, mais Okafor, quand est-ce que tu voyages? I answered. I said, in fact, we are traveling today. It's me and Okafor, we are traveling. Et je lui ai dit, en fait, je voyage aujourd'hui. La personne Okafor et moi, on voyage aujourd'hui. Oh, the man said, oh, you and Okafor, so you don't have to go to the woman inside. Et, c'est vous, Okafor, et vous êtes en train de parler à la femme qui est à l'intérieur. And the woman came and said, yes, I know. And Okafor, and she called my name, Gloria, was stopped. Il m'a appelé Gloria. Yes, I know that two of your passports are here. We sent others, but we kept these ones. They sent others and kept my own and like this for back. En fait, tout était déjà là-bas, mais il a pu récupérer, il a finalement pris son passeport à elle. Et après le sien. What day did they release my passport? On the 29th. Mais pourquoi est-ce que vous faites? Il a placé son passeport 29? Yes. Il occupait la place in the afternoon. Numéro 29. And the birthday was 28. Et l'anniversaire était annulé. Non, c'était le 28. C'était le 28. It was late. God purposely did that. He was testing me. Le Seigneur me testait. If we're not submitted to God, you can't do this work as a wedding woman. Si vous n'êtes pas soumis au Seigneur, vous ne pouvez pas faire ce travail en tant que femme pleureuse. You are a mother. Vous êtes des mères. You are a wife. Vous êtes des femmes. Maybe you are working. Peut-être vous travaillez. All these things are pulling you. Tout cela vous bouscule. And then God comes and says, my daughter, I want you for 7 days in my presence. Le Seigneur dit, j'ai besoin de toi pour 7 jours dans ma présence. Don't even go near there now. When God said to us, I want you for 21 days, no phone call. Le Seigneur dit, j'ai besoin de vous pour 21 jours sans coup de fil, sans téléphone. He said, and I don't want anybody to know where you are going. Je n'aimerais pas que les gens sachent là où vous allez. So if your husband doesn't know where you are going for 21 days. Même vos maris, même s'ils ne connaissent pas où vous allez pour 21 jours. It was not funny. Est-ce que c'est pas amusant? You would think, oh my God, if I come to my house, everything will collapse. Vous vous dites, mais Seigneur, quand vous venez chez moi, tout sera complètement effondré. But c'est pas la peine. After 21 days, you come back, the house is even better than when you were done. Et quand vous revenez 21 jours après, tout va mieux comme si vous n'étiez jamais été là. Praise the Lord. So we must be submitted to God. Nous devons être soumis au Seigneur. And when we are submitted, then we must allow ourselves to die. Et quand nous sommes soumis, le Seigneur nous permet d'avoir tout. Self is a major hindrance to this work. Alors, la soumission est une des chair. Principales. La chair est une des principales, un des principaux obstacles pour la discipline. I thank God the Americans are here. Je remercie le Seigneur pour les Américains. I remember the first time we went to America. La première fois que je suis allé aux États-Unis. Tout ce que nous avons là-bas, c'est des programmes sur programmes, programmes sur programmes. Schedule. Des programmes. Non, schedule, yeah. Praise the Lord. Elle dit qu'un programme, elle sera là quand même. Non, comment on va rappeler au schedule? Elle dit qu'elle sait pas ce qui s'est passé au sujet de leur programme. But something that happened to schedule is that the person is submitted to God. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'elles ont été soumises au Seigneur. Elles ont fait un programme, you will do. Whatever he wants you to do, you will do. Tout ce que le Seigneur veut que vous fassiez, vous allez le faire. Like Mary said, be it unto me according to your will. Il y a une chose qui dit selon que ta volonté soit faite. The second is that we must be obedient. Le O pour obéissance. God said to us, obedience is the quickest way
Le Seigneur dit que l'obéissance est la principale des choses. And the fastest means of doing his work. Et la rapidité pour accomplir sa volonté. We know the story of Samuel. Nous connaissons l'histoire de Samuel. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, verset 22. 15, verset 22. C'est to obey is better than sacrifice. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si God said to Samuel. Le Seigneur dit à Samuel. Said to Saul. C'est tout. Adia à Saul. Saul. He said, totally destroy the Amalekites. Détruit totalement les Amalécites. The word is totally destroy. Détruit totalement les Amalécites. But you know, Saul looked. When he went to the battlefield, he felt, well, after all, this Samuel doesn't even know what he's talking about. Alors, quand il a à la fin de sa bataille, il s'est demandé, mais Samuel ne sait certainement pas de quoi il parle. Look at some fat cows here. These are good to sacrifice to God. Mais regardez bien ces animaux-là, ils sont beaux et il faut les sacrifier pour le Seigneur. As if God didn't see the fat cows before. Peut-être que Dieu n'aurait pas vu ces beaux animaux. Or fat sheep, when he said totally destroyed. Parce que quand il a demandé des trios auparavant, il n'a peut-être pas vu qu'il y avait de beaux animaux là. And he took. Et il a pris les animaux. And he brought it that they were going to sacrifice to God. Et il a pensé qu'il allait les sacrifier pour le Seigneur. At times we think we are doing God a favor. Et il pensait qu'il faisait une faveur à Dieu. We are not doing him a favor when we obey him completely. Il n'a pas fait de faveur puisqu'il n'a pas obéi complètement. Like my sister told the story of the six blind men. Comme ma sœur a parlé tout à l'heure de l'histoire des six aveugles. One of them thought they knew better. Et tous avaient leur manière à eux de voir. And it's only when you allow yourself to yield, come together, which we use the word synergy, that you will be able to accomplish the purpose. Alors, ce n'est que quand vous mettez tout ensemble, quand il y a une synergie, que vous accomplissez réellement de grandes choses. We agree with God to do what He wants us to do. Quand nous nous mettons en accord avec le Seigneur pour faire ce qu'il veut. When God says, go to this village. When you get there, just say, let the light shine. Let the light shine. Then you think you know Bible too much. Et vous pensez vous connaissez trop la Bible. Then you get to the village. Et quand vous allez dans le village, then you start to call all the demons and begin to address them. That's not what they ask you to do. Because you think you know Bible. Vous commencez à détruire les demandes, pas parce qu'il vous a demandé, mais parce que vous pensez que vous connaissez mieux que le Seigneur. We are walking in disobedience. Et est-ce que vous marchez en obéissance? All he said to you, when you get there, just say, let the light shine. Le Seigneur a dit quand vous allez là-bas, dites juste que la lumière brille, c'est tout. So when we try to bring in our theology and what we think we know, we'll be walking in disobedience. Et quand nous ajoutons notre part, en pensant que nous faisons bien, nous marchons dans la désobéissance. Saul thought he was doing God a favor by bringing the cow. He told Samuel, Samuel asked him how far. He said, I've done the Lord's commandments. Saul pensait faire la volonté de Dieu et pourtant il marchait dans la désobéissance. If you have, what is the noise of this sheep I'm hearing? Say, if you have done it, what is the noise of this bleating of sheep that I'm hearing? Mais si tu as compris ma volonté, mais quel est donc quels sont les hurlements de ces bêtes que j'entends? Quels sont les hurlements? Les hurlements, les bruits. Les hurlements, les cris de ces bêtes que j'entends. Ah, c'est un. If you brought it to sacrifice to the Lord your God. Mais le Seigneur nous avons amené pour sacrifier pour toi. That is the problem we have. Et ça, c'est le problème que nous avons tous. Our intelligence. We want to put God in our own box. Nous voulons mettre le Seigneur dans notre propre boîte. I was still talking about what happened in South Africa. Le Seigneur dit, nous a dit, je vous donne 6 heures de prière. And we sat down from 5 a.m. Et nous avons commencé de 5 heures. And we are singing for 6 hours. Nous avons chanté pendant 6 heures. When God says, give me 6 hours of prayer, you say, well, is it possible to sing for 6 hours? Okay, let's bring in some word. Let's do some preaching. But he said 6 hours of praise. Le Seigneur nous avait demandé 6 heures de mort et pas 6 heures de prédication.
So when we don't obey God, we don't get results. Quand nous obéissons pas au Seigneur, nous avons également des résultats. After singing, nous n'avons pas de résultats. If we don't obey God, we can't get results. Si nous n'obéissons pas au Seigneur, nous ne pouvons pas avoir des résultats. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So it is important that we obey God just the way He said it. Nous devons obéir au Seigneur comme il nous l'a dit. He said to us after 6 hours, said go to Pretoria. He called the name of the place. Et il nous a dit un moment, allez à Pretoria, et il nous a même donné le nom de. He said go to Kruger Square. Allez vers Kruger. We don't live in South Africa. We don't know Pretoria and Kruger Square. On ne connaissait pas Kruger Square parce que nous ne vivons pas en Afrique du Sud. He said when you go there. Quand vous y allez. Just declare my word. Déclarer juste ma parole. Just say war. Dites juste guerre. I'm putting my red flag. Et soyez mes représentants. Simple. Drapeau. Mon drapeau. Quand vous agissez le drapeau. Rouge. From Juan Lancez le drapeau. To pink. Plantez le drapeau. Rouge. Rouge. Faisez déclare. Just use a red flag. Pin it and just say war. Alors, prenez un drapeau rouge, plantez-le et dites guerre. You can imagine traveling from Johannesburg to go to Pretoria. Imaginez voyager de Johannesburg à Pretoria. Ministers, pastors, avec des ministres, diplomates, les japonais. Only to get to Pretoria, and just go there and say war. Arrivez là-bas, plantez le drapeau rouge et dites guerre. Imaginez-vous un peu. It looks stupid. Doesn't look intelligent. You should go to that place and begin to shake the heaven. Just pray so that they will know that something is happening. But just simple obedience. Just in simple obedience. After 4 days, we were sitting down in St. We're still in South Africa. And they ran out of us. Open the news, something is happening. Something is happening with us. So one of the busts, the statue, one, has been buried in the ground. Alors une des statues a été complètement engloutie. The ground opened up and buried it and closed up. La terre s'est refermée. There was no earthquake. One of the founding fathers of apartheid. Just got buried. There was no earthquake. No structural default on any of the buildings. They searched everywhere. They cannot understand what happened. Personne ne comprenait ce qui se passait. Just say war. Did you hear? See, I'm talking about obedience. Say, obedience is the easiest way and the quickest means of doing this job. Alors, l'obéissance est le moyen le plus rapide pour faire la volonté de Dieu. Mustard, theology is our subject. Si nous comptons avec la théologie, ça nous. So, if we just obey, say, to obey is better than sacrifice. L'obéissance est mieux que les sacrifices. When God says, do a thing, just do it the way He said it. Forget what you think you know. Quand le Seigneur demande de faire quelque chose, faites-le exactement comme il le dit. Oubliez ce à quoi vous pensez. And then we must be loyal. Et nous serons loyaux. I don't know how many people that God can trust. Je ne sais pas combien de personnes en qui le Seigneur peut croire. We should be loyal to God and loyal to one another. Nous devons être loyaux envers le Seigneur et loyaux les uns envers les autres. But when we are not loyal to one another, what do we see? Murmuring, backbiting, gossiping, evil speakings. Mais quand nous ne sommes pas loyaux les uns envers les autres, qu'est-ce que ça donne? Le commérage, le bavardage, les murmures. This morning, when our sister was talking like this, she mentioned these things for us. Quand la sœur a prêché tout à l'heure, qui était là, elle a mentionné tout cela. So as soldiers, disciplined soldiers, God does not expect us to be like that. En tant que pour être discipliné, le Seigneur n'attend pas de nous que nous soyons comme ça. But we should be loyal to one another. Nous devons être loyaux les uns envers les autres. Speaking good about one another. Parler du bien les uns des autres. Loyal to God at any time. Loyaux envers le Seigneur en tout temps. Many of us we are only loyal to God when we are in the Christian fold. Nous en général nous sommes loyaux avec le Seigneur quand nous sommes à l'église en fait.
As soon as you live where they don't know you, where you are living another life altogether. Dès que vous êtes dans un endroit où vous ne connaissez pas, vous faites ce que vous voulez. So our Christianity is only when we're in the church. Notre christianisme uniquement quand nous sommes dans l'église. But in your village, nobody knows you. Mais dans votre village, personne ne sait que vous êtes. But if we are loyal to God, anywhere you are. Mais quand vous êtes loyal envers le Seigneur, Joseph, partout où vous allez. Joseph is a perfect example. Joseph en est un exemple. And Daniel. Et Daniel également. They are perfect examples. Ce sont des exemples. These two young men, they were not living in their father's house. Ces enfants ne vivaient pas dans la maison de leur père. They were taken completely to a strange land. Their father and mother is not there. Ils no pastor, no brother. Ils étaient dans des terres étrangères. Personne ne les connaissait, pas de pasteur, pas de chrétien. As slaves. En tant qu'esclaves. But they were loyal to God. Mais ils étaient loyaux envers le Seigneur. When the Potiphar's wife wanted Joseph to sleep with her. Quand Potiphar voulait aller avec Joseph. Joseph. Yeah. Mm-hmm. Nobody was seeing. Potiphar didn't know what was going on. Potiphar ne savait pas. Personne ne savait ce qui se passait. So if he slept with Joseph with Potiphar's wife, Potiphar would not have known. Même s'il allait avec la femme de Potiphar, personne ne le saurait. But Joseph was loyal to God. Mais Joseph était loyal envers le Seigneur. And he said to the wife, "How can I do this great wickedness?" Il a dit à Potiphar, mais comment puis-je commettre une telle chose? In the sight of the living God. Devant le Seigneur. So if you are loyal to God, anywhere you are, in your office, anywhere you are, you will represent God properly. Si vous êtes loyal, partout vous allez représenter le Seigneur. You don't need a third eye to watch you because you know already the eyes of the Lord is watching. Vous n'avez pas besoin d'un œil pour regarder parce que l'œil du Seigneur suffit. And then we are going to be disciplined people. Nous devons être disciplinés. Discipline, that is our lifestyle. Ça doit devenir un style de vie, la discipline. Unfortunately today, malheureusement aujourd'hui, many believers are not disciplined. La plupart des croyants ne sont pas disciplinés. We can see believers fighting. On peut voir des croyants se battre. Quarreling on the road. Ou alors se quereller en route. Because something is wrong with us. Parce que quelque chose ne va pas. We are not disciplined. Nous ne sommes pas disciplinés. But if we are disciplined, et nous, si nous sommes disciplinés, our lifestyle will show it. Notre style de vie va le montrer. So we will be disciplined people in our language. Nous serons disciplinés même dans notre langue. Paul wrote to Timothy, he said, "Be thou example of believers." 1 Timothy 4:12. "Be thou example of believers in conversation." Alors, Paul disait à Timothée, sois l'exemple devant les autres dans tous les domaines. So in our conversation, our conduct, people should see us and they will just know this one is a child of God. Dans notre conversation et dans notre conduite, nous devons nous comporter tel que lorsque les gens nous voient, ils disent, tu es l'enfant de Dieu. But unfortunately, what I see today, mais malheureusement, ce que je vois aujourd'hui, many of us don't even know the kingdom we belong. Many of us don't know the kingdom. La plupart des gens ne connaissent pas le royaume auquel ils appartiennent, les chrétiens. And we don't even know what God expects from us. Nous ne savons pas ce que le Seigneur attend de nous. And that's why I will talk about the word of God. I will bring it here. We must be disciplined enough to study our Bible. Alors nous allons le voir dans la parole de Dieu. Nous devons être disciplinés pour marcher avec le Seigneur. Not just reading it like newspaper. Ne pas lire comme un journal quelconque. You know when we read newspaper, you look at the heading and read one or two lines, you conclude the rest. Parce que quand vous lisez les journaux, vous lisez l'entête et vous regardez, vous lisez deux ou trois lignes et vous tournez, c'est tout. How many of us sit down and bring a newspaper, you read it from beginning to the end? Qui veut me dire que quand il prend un journal, il lit l'entièrement? We just read and conclude whatever we think and we conclude it. En général, quand on lit, on conclut et puis on a son idée et puis c'est tout. But we cannot conclude the Bible. Mais nous ne pouvons pas le faire pour la Bible. We must discover. Nous devons découvrir. What God expects from you and me. Ce que le Seigneur attend de vous et moi. When man made car, he made a man one. Quand un homme a une voiture, il met man one. Instructions. Il a des instructions, le guide d'utilisation. And the Bible is manual that God has given to us or man if we must walk effectively. Et la Bible est une manière que le Seigneur nous a donnée si nous voulons marcher comme il veut. So we must
discover the word, what he is saying. Et nous nous demandons de découvrir ce qu'il veut dire. Some believers today, all they know is what the pastor said. La plupart des chrétiens savent uniquement ce que le pasteur a dit. They have not taken time to study the Bible to see what the pastor said, whether it's written in the word at all. Ils ne prennent même pas la peine de vérifier ce que, si ce que le pasteur a dit est bien vrai dans la parole. I was talking to a young girl. Je parle d'une jeune fille. And I was talking to her, the Spirit of God said to me, talk to her about immorality. Et ça m'a dit, mais pas fille au sujet de l'immoralité. And I said to her, you go to church? She said, yes. Et je lui ai demandé, tu vas à l'église? Elle me dit oui. She said, which church? Redeem. Quelle église? Les racheter. I said, are you born again? Je lui ai demandé, tu es né de nouveau? Then she kept quiet for some time. Elle n'a plus rien dit pour le moment. I asked her, how long have you been in church? Et depuis combien de temps tu fréquentes? She said, about 3 years. Ça fait 3 ans maintenant. And are you born again? Et tu es né de nouveau? He kept quiet. I said, now I know you are not born again. Donc là, je sais que tu n'es pas. But you are in church. Et tu es dans l'église. And I said, you know, some of these churches, pastors sleep with the young girls in church. Vous savez, de nos jours, les pasteurs couchent avec les filles. And she said, yes. Oh, elle a dit oui. I said, you don't need to be in that kind of church. Et elle dit, tu ne dois pas fréquenter. The church where the pastor sleeps with the young girls. Tu ne dois pas aller dans les églises où les pasteurs sont avec les jeunes filles. There's nothing wrong with it. Il y a quelque chose qui ne va pas. See, I'm a man of God. En tant qu'homme de Dieu, you are doing God's service by sleeping with me. Les pasteurs disent souvent, tu fais le travail du Seigneur quand tu viens avec moi. And the foolish ones who don't know their Bible. Et les fous qui ne connaissent pas la parole. Think that they are doing God a favor. Et ils pensent qu'ils font une faveur à Dieu. By sleeping with their pastors. En couchant avec leur pasteur. But that's why we must study the word. When the Bible says, let not fornication be named once among you, 1 Corinthians chapter 7. Il faut qu'on parle de fornication, qu'on dévoile la fornication, parce que c'est un péché dans la parole de Dieu. So we must study the word. God, when we study the word and we know the word is the power of God. Quand nous connaissons la parole, c'est la puissance de Dieu. So when God says, tell my people about the efficacy of the word. Parle de l'efficacité de ma parole à mon peuple. That is the capacity of producing results. C'est-à-dire la capacité de produire des résultats. The word, when we look at Genesis 1, the Bible says, "Lo, the earth was without form and void." La parole de Dieu dit dans Genèse que la terre était informe et vide. And God et Dieu did something. What did he do? He said. Et le Seigneur a donc créé the word. Le monde. God just released the word. Le Seigneur a relâché la parole. And immediately there was a quickening. Et immédiatement, il y avait and whole creation began to respond to that word. Et toute la création a commencé à répondre. We need to discover this word because we know that this word is not the word of man. Nous devons découvrir cette parole parce que nous savons que c'est pas la parole d'un homme. It is the word of God. C'est la parole de Dieu. It has the power of quickening, like Peter said in 1 Peter 1:22-23. Comme le dit Pierre, c'est une puissance. La parole est une puissance. It can quicken situations no matter what. Dans toutes les situations, peu importe lesquelles. It doesn't matter what you see, just like God saw utter chaos. That was what God saw, utter chaos, formlessness. The darkness was upon the face of the deep. That nothing, God was not seeing anything good. But God saw beyond the physical. And he spoke the thing he wanted in the realm to come down. Le Seigneur commande à ce qu'il veut pour que cela agisse en fait. So the word of God that we're talking about, this word of God has been tried. Alors la parole de Dieu dont nous parlons, tried. La parole de Dieu a été prouvée. Psalm 18:30 tells us that the word of God is tried. La parole de Dieu, la parole nous dit que la parole de Dieu a été éprouvée. That is, it means it cannot fail. Ça veut dire que la parole de Dieu n'échoue pas. It is proven, like when we say science, they say cure it. Elle est réelle, on peut la prouver, la parole. It is already proven. The word of God is right. So anytime you use the word of God, you cannot fail because it has been tested. Amen. À chaque fois que vous utilisez la parole de Dieu, elle est prouvée, donc elle est testée, elle est réelle. So when God is talking about coming to Europe and God wants to do something, God needs us to begin to speak his word.
Alors, quand nous devons venir en Europe, le Seigneur avait besoin que l'on proclame sa parole. Jeremiah said in Jeremiah 23:10 that the word of God is fire and is a hammer. La parole de Dieu nous dit que sa parole est une puissance et un feu. Devil does not care how much you cry. Dieu ne fait pas attention à combien de fois tu pleures. In fact, the more you are crying, Satan is very happy. Maintenant, chaque fois que tu pleures, Satan est content. But when you know the word, mais quand tu connais la parole, you say it is written. Tu dis il est écrit. Then Satan will respect you. Là, Satan va te respecter. He knows you know. Parce qu'il sait que tu connais. But we lose out because we don't know who we are. Mais nous avons perdu parce que nous ne savons pas qui nous sommes. So we should be able to know the word of God and speak this word. Nous devons connaître cette parole et la proclamer. I want us to read Romans 10. J'aimerais qu'on lise dans Romains 10. Romans 10, 6 to 8. Try it before me read it. Romains 6, verset 10. 6 to 10. Romans 10. Romains 10, verset 6 à 10. Ah oui. Romans chapter 10, from verse 6. Romains 10. But the righteousness which is of faith speaketh from this wise. Say not in thy heart, who shall ascend into heaven? That is to bring Christ down from above. Or who shall descend into the deep? That is to bring up Christ again from the dead. But what saith it? Say the word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith. Which we preach. Je lis dans la version de 8 secondes, Romains 10, versets 6 à 8. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. So when we know the word of God, then you can address situations. There's hardly any situation we are going through that does not have an answer in the Bible. Quand vous connaissez la parole de Dieu, vous pouvez parler aux situations parce qu'il n'y a aucune situation qui n'a pas de solution dans la parole. It doesn't matter. C'est pas, peu importe. What you think? Ce que vous pensez? I don't know how what science God did for a 90-year-old woman to be pregnant. Je ne sais pas comment le Seigneur fait que la femme soit enceinte pendant 9 mois. It doesn't follow any logic or any science. Cela n'a pas de logique. Cela n'a pas de logique. What's important, God says, there shall be no barren in my land. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit? There shall not be barren in my land. Ce qui est important, le Seigneur a dit, il n'y aura pas de stérile. Le Seigneur dit il n'y aura pas de stérile dans ma terre. Il n'y aura pas moins de femmes stériles. That's the word of God. C'est la parole de Dieu. So your goal is to believe what he said. Donc il faut croire en ce qu'il dit. And begin to speak it. Et commencer à la proclamer. But the problem we have here is unbelief and lack of faith. Le problème que nous avons c'est le manque de croyance et le manque de foi. After you pray, après avoir prié, then you get up. Et vous levez. Then you begin to check your body. Vous commencez à vous toucher. Yes, I don't know how this body is doing. Parce que le corps s'y fait. It's like the thing have started again. C'est comme si les choses ont encore commencé. You have canceled your prayer. Mais comment le Seigneur peut répondre à ta prière? You just believe what you just refuse to hear. Some months ago, I cannot do this. Il y a très longtemps, je ne pouvais pas étendre mes mains. I cannot raise this right hand. Je ne pouvais pas lever la main. If I want to raise this hand, as if I was carrying weight. Et je n'arrivais pas à le faire. I said, Satan is a liar. J'ai dit, Satan est un menteur. I said, God, but you know that we always salute you. J'ai dit au Seigneur, tu sais que nous allons. So, how will I salute you now? Et comment puis-je encore le faire? So, you have to do something about this hand. Donc, que vais-je faire de cette main? I refuse to tell even my husband what is going on with me. Je n'ai même pas besoin de dire à mon mari que je souffre de la main. If for me and God, we are talking. I said, God, you have to do something about this hand. Seigneur, tu dois faire quelque chose. Hey, I'm going to do like this. I said, God, it can't be. If I looked at how my body was doing, I would tell myself, oh, that is it. Arthritis has come. Si it is the name.
si j'acceptais, c'est que j'allais laisser la possibilité au diable de me faire croire que c'est ça. Mais j'ai remis tout entre les mains de Dieu. We must be disciplined in the place of prayer. Nous avons besoin de discipline dans la prière. We must be fervent. Just like you have prayed and then you just stop praying. Keep praying. Continue à prier. I will say to your sister, continue à être fervent. I said, look, no matter how we pray until the fullness of time, nothing will happen. Tant que nous ne prions pas, quand nous prions et que le temps n'est pas encore arrivé, nous devons continuer. God has determined when He wants to do a thing. Dieu a déterminé quand il veut faire quelque chose. So your prayer is just the banking. Le Seigneur, votre prière. Il va banquer des prières. Le Seigneur est en train d'écouter les coups de prière. And when the fullness of time comes. Mais quand le temps arrive, the seal will be removed. Le Seigneur le fait. And you will get the answer. Et vous aurez la réponse. But because you are praying 1-2 days, nothing happens. Et quand vous priez en un deux jours et que rien ne se passe, you start to look for another God. Tu sais que tu veux regarder un autre Dieu. They tell you there's help somewhere in Egypt. On te dit que mais l'aide vient d'Égypte. And you will go to Egypt. Et tu vas aller en Égypte. To look for help. C'est pour chercher de l'aide. And you have missed it. Et là tu as raté. But I pray that we should have discipline in this prayer. Just keep praying. Continue à prier. Quand vous ne voyez pas l'accomplissement, continue. Knowing fully well that God cannot disappoint. Parce que vous savez que le Seigneur ne nous déçoit pas. So we should be disciplined, we should develop integrity. Nous devons être disciplinés, nous devons marcher dans l'intégrité, être intègre. Unfortunately today, malheureusement aujourd'hui, there is hardly integrity even in the church. Il manque beaucoup d'intégrité dans l'église. If I take $10 and give to somebody now and say, please hold this $10, the next is the arm robber came to the house. Si je demande à quelqu'un, and they didn't see anything to take, that's my $10. Si je demande à quelqu'un, demande à quelqu'un d'église de me donner 10 euros, cette personne-là va s'enfuir et je n'aurai plus de nouvelles après. We can't be trusted. Nous ne pouvons pas être manqués de. Integrity, that's who you are. That's the person you are. Your personality, who you are. L'intégrité, c'est ce que vous êtes. So your integrity, God expects us to be people that He can trust. Say the integrity of the upright will guide you. Le Seigneur a besoin des personnes en qui il peut croire, des personnes qui ont de l'intégrité. A man of God told the story to depict what integrity is. Un homme de Dieu a parlé de ce que c'est que l'intégrité. He said a man was going out for a date with another man's wife. Il a dit qu'il y a un homme qui est allé avec la femme d'un autre. And he went up to this fast food like McDonald's. Ils sont allés au McDo. To buy something so that they can dance. Have fun with another man's wife. Ils sont allés au McDo pour acheter des choses pour aller bien sûr s'amuser. Unfortunately for him, malheureusement pour lui, it was about closing hours. C'était l'heure de fermeture. So instead of giving the man McDonald's, they gave him the box of money. Au lieu de lui donner une boîte de McDonald's, on lui a donné une boîte d'argent. So when he got to the place, he wanted to have fun with the woman, another person's wife. Quand il allait à l'endroit, il devait s'amuser avec la femme d'un autre. He brought the box so that they can sit down and relax. On lui a amené une bouteille telle qu'il veut s'asseoir. When he opened the box, quand il ouvre la bouteille, la boîte plutôt, it was money. C'était de l'argent. Not food. Pas le McDo. That's not what he bargained for. C'est pas ce qu'il voulait. He had to go back. He took the box of money. Il a pris dans la boîte d'argent. And went back. Il est entré. The manager, they were frantic looking for money. Et le manager avait besoin de l'argent. And he said to them, et il leur a dit, I came here to buy McDonald's and I ended up with this money. Je suis venu acheter le McDonald's et puis on m'a remis cette boîte. And the manager was saying, oh, I have seen the most honest man in this world. I want you to call television. Le monsieur a dit, oh, j'ai vu l'homme le plus honnête de ma vie. Je vais aller en parler à la télévision. So the man went close to the manager. Et le monsieur s'est approché par la table. And whispered to the manager. Il lui a soufflé. This woman will be not my wife. Et il a dit, cette femme qui est avec moi n'est pas la mienne. You see what am I trying to say? Que veux-je dire? Integrity is not just what you show people to see. L'intégrité, ce n'est pas ce que tu veux montrer aux gens. But that is who you are. C'est ce que tu es. You can put up a front. Tu peux monter un visage. People will see something else about you. Même si les gens pensent but que tu inside es. Inside you have something else. Mais à l'intérieur, but tu es quelqu'un d'autre. But I want to say to you that inside is what God is seeing. Amen. Non, en fait, men can see you just like that man. Comme ce monsieur. You would have brought television camera. Il devait, on devait amener les and they will put him on camera saying the most honest
man. En lui montrant en tant qu'un homme honnête. How can the most honest man be sleeping with another man's wife? Comment un homme honnête peut être allé avec la femme d'un autre? So we're talking about integrity. Nous parlons d'intégrité. You are talking about who you are. On parle de qui vous êtes réellement. God expects us to be people that are just. Le Seigneur attend que nous soyons des personnes justes, honnêtes. People that are right. Personnes qui sont justes. We are determined. We are not partial. Le Seigneur aimerait qu'on soit correct. It doesn't matter if you call white, white, black, black. Ce qui est blanc est blanc, ce qui est noir est noir. No matter who is involved. Il ne veut pas d'à peu près. So the people of integrity. On parle d'intégrité, des personnes intègres. And then we should have endurance. Endurance. Et nous avons également l'endurance. That is the ability that Paul said, endure hardness as a good soldier. L'endurance, c'est-à-dire travailler comme un vrai soldat. In race, in athletic race. Dans l'athlétisme. Athletes, they learn to train for endurance. Alors, ils sont entraînés à l'endurance, les athlètes. Months before they go into any competition. Lorsqu'ils vont à n'importe quelle compétition, you see them running for hours. Ils courent en fait pendant des heures. What are they doing? Que font-ils? They are trying to build endurance. Ils essaient de construire. Because if you don't have endurance, by the time you run from here to there, vous n'avez pas l'endurance, vous ne et plus, à peine vous êtes essoufflé. But what does it endure? All the mamas in the house. Now you're like Canadian son. Jesus name. I also want to recognize Ligia, who was back there on the team from Bulgaria. Ligia is a very extraordinary woman. She has become a catalyst for the transformation of the nation of Bulgaria. You might not know that, but it's true. She is the only one that could get me to go to Bulgaria 4 or 5 times in 1 year. Because transformation is happening. And she is somebody who I believe is a first fruits of end time intercessors. Those who not only intercede spiritually, those who not only pray and intercede, but those who take tangible action within their countries. Those who reap their own harvest of their own prayers. And she's doing an extraordinary work at all of the team. If you get it. S'il vous plaît, attendez qu'on traduise pour que vous claquez les mains. Sinon, ce n'est pas possible de traduire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci. If you get a chance to hear their story, it's very important that you hear. Alors, si vous prenez le temps d'écouter son histoire. But this morning we're speaking on the topic of redeeming the land. Mais ce matin, nous allons parler sur le thème de racheter la terre. And I want to say to you that God is not just interested in redeeming the man or woman. Alors, je voudrais dire que Dieu n'arrive pas seulement à racheter l'homme ou la femme. But God is interested in redeeming nations. Alors, Dieu s'intéresse de racheter les nations. God is interested in redeeming the land. Dieu s'intéresse de racheter la terre. Because the whole earth belongs to Him. Parce que tout est en ça. So those of you that are in this room who are laboring in prayer. Alors, ceux donc qui dans la chambre labourent dans la prière, you are not just laboring for the salvation of men and women. Tu ne labours pas seulement pour le salut des hommes et des femmes. You are laboring to be a response to the groaning of the whole earth. Tu labours pour pouvoir accoucher toute la nation entière, le monde entier. Wow. God is interested in redeeming every sphere of life. Dieu s'intéresse à racheter chaque esprit de la vie. Of course, we know that there are many sociological spheres. We know there are many sociological spheres. Alors, nous savons qu'il y a beaucoup de domaines sociaux sur le champ. Business.
les affaires, economy, l'économie, education, l'éducation, politics, la politique. We know every sphere God wants to redeem. Alors chaque domaine de tout ce qu'on venait de citer, Dieu a besoin de les racheter. So that the kingdom of God would have dominion in every aspect of life. Alors le royaume de Dieu a donc une signification pour chaque domaine de la vie. This is why we are laboring. C'est pourquoi nous laborons. This is why we are praying. C'est pourquoi nous opérons. This is the demand we are putting on heaven. C'est pourquoi nous parlons du ciel. That his kingdom would come. Que son règne viendra. That his will would be done. Que sa volonté sera faite. Where? On earth. On earth. As it is in heaven. Comme c'en est au ciel. Proverbs chapter 13 and verse 23. Maybe I'll recommend that you don't even turn there because I'm just going to read the scriptures to you. Because I have very much to fit into 1 hour. But I have found that your hours are longer than our hours. So maybe I have a bit more time. So I'll just read the scriptures to you. Proverbs chapter 13, verses 23 to 24 says. Chapter 13, verses 23. Okay, Proverbs 13:23. The fallow ground of the poor would yield much food, but it is swept away by injustice. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais telle périt par défaut de justice. Meaning that the ground of our nation, the land that we live in, cela signifie en quelque sorte la terre sur laquelle nous vivons, could be prosperous, peut prospérer, could be an image of heaven on earth. The land could prosper, but it is injustice that brings a curse. God actually sees injustice as disorganization. Justice and organization are like the same word in the kingdom of God. La justice et l'organisation vont du même ordre que la justice de Dieu. That is to say that when someone establishes justice, alors c'est pourquoi il faudrait établir quelqu'un de juste. They are actually bringing order out of which was in chaos. They are taking chaos and putting it into order. Alors, on prend le la confusion, le chaos. On prend le chaos et on met dans la confusion. Non. On prend la confusion et on met dans l'ordre. This is the nature of our Father. Ça, c'est la nature de notre Dieu. He is attracted to chaos and injustice. Alors, il essaie de prendre le chaos pour essayer d'établir la justice. And this must be the fundamental nature of every intercessor. Et ça doit être le fondement de la nature. When we pray, when we lay down our lives in prayer, alors, quand nous mettons à prier, it is not just to see people saved, ce n'est pas seulement voir les gens sauvés, but it is to establish justice in the earth. C'est de pouvoir établir la justice. It is to organize chaos and turn it into righteousness. C'est pouvoir organiser le chaos pour que le chaos se transforme en justice. This is the reason we are laboring so that the justice of God will be established in the earth. C'est pourquoi nous sommes en train de labourer afin que la justice de Dieu puisse être établie. And once the earth is organized or justice is established, et quand la justice sera établie, the earth can begin to respond and bear the image of heaven. Alors le Dieu pourrait donc se la terre pourrait donc se transformer et représenter le modèle céleste. Is this okay this morning or is it too early? Est-ce que ça va ce matin ou alors c'est très tôt? Are you with me? Yes. You are literally every time you go like every time you do the. Alors vous êtes avec lui ce matin. You know what you are saying? Yes. You are saying I'm here to establish justice. Alors, tu vas te dire que tu es ici pour établir la justice. You are saying anything that is out of order in the earth. Alors, tu te dis que tout ce qui est en dehors dans le chaos sur la terre, I am putting into order. Alors, je suis en train de mettre de l'ordre. Because everything of the kingdom of heaven
is in perfect order. Alors, parce que ce qui est dans le ciel, c'est la chose ancienne parfaite. There is no chaos in the kingdom of heaven. Il n'y a pas de chaos dans les choses célestes. So we must also not allow any chaos or injustice in the earth. Alors, nous ne devons pas non plus permettre aucun chaos, aucune injustice sur la terre. That's why we as willing women and men. This is a picture of God's order. I am here to establish justice. I am not just here to see people saved. But we are here to labor until justice is established in every corner of the world. Amen. Now, the redemption, here's a phrase that I think you will enjoy. Alors, la rédemption, ce n'est pas le jeu. The redemption of the land begins and ends with intercession. Alors, le rachat, la rédemption commence, mais ça se termine par l'intercession. Oh, you couldn't have heard me. Vous ne le comprenez pas. The redemption of the land begins and ends with intercession. Alors, la rédemption se termine avec l'intercession. Many apostles of our day would not like to hear me say that. Alors, plusieurs pasteurs ce jour n'aiment pas dire ça ni entendre parler. But I myself am maybe a little bit apostolic. Alors, lui également un peu comme apostolique. And I understand that it begins and ends with intercession. Alors, je dis, que ce soit le commencement ou la fin, tout commence par l'intercession. What kind of intercession are we talking about? De quel genre d'intercession parlons-nous? I want to give you two kinds of intercession. Je voudrais vous parler de deux types d'intercession. Number one. Le numéro un. Prayer and intercession. La prière, c'est l'intercession. But not just basic prayers. Mais non pas seulement la prière basique. Prayers and petitioning and supplication, weeping. La prière, la supplication, les larmes. Wailing. Gémir. This kind of prayer. Ce genre de prière. Prayer that expresses the demand on heaven to visit the earth. Alors le genre de prière qui interpelle le ciel de descendre et de pouvoir agir. But the second kind of intercession I want to give to you. Alors le deuxième type d'intercession dont je voudrais vous parler. Is the word action. C'est le mot action. Being an answer to prayer. Alors, prêt pour la prière. Essentially, we could define actional intercession this way. Alors, l'intercession à ce niveau qui pousse à l'intercession. Doing the right thing in a wrong situation. Faire la chose juste dans la mauvaise situation. Doing righteousness amidst corruption. Alors, faire l'intercession dans la corruption. Sometimes doing right in a wrong situation. Quelquefois, faire les choses bonnes dans les mauvaises situations. We'll get the same result as 1,000 prayers. Nous obtenons le même résultat à travers la prière. This is so beautiful. Alors, c'est merveilleux. This is called establishing God's judgment. Alors, ceci, c'est établir le jugement de Dieu. Every time you feed a homeless person, you are judging the spirit of poverty in the land. Hallelujah. Every time you are feeding a homeless person, alors, chaque fois quand tu vois constant comme quelqu'un de désespéré, you are judging the spirit of poverty in the land. Tu es en train de juger l'esprit de pauvreté, de misère sur la terre. This is why yesterday's message was so important about repentance. C'est pourquoi hier nous pouvons bien gémir par rapport à la repentance. And that repentance among us does not become just a prayer. Et puis la repentance au travers de nous, c'est pas simplement prier. But that repentance is a change of activity. Alors la repentance, c'est changer d'activité. It is a lifestyle change. C'est un style de changement de vie. Because it is a different lifestyle that judges the lifestyle of darkness. It is a different, a change of lifestyle. Alors c'est différent du changement du style de vie. That judges the lifestyle of darkness. Parce que le style de jugement par rapport à ce que Dieu dit. It is light and action that judges darkness. C'est la vie, c'est l'action, c'est le jugement. So these are the two kinds of intercession. Voici donc les deux types d'intercession. Prayer and action. La prière et l'action. Intercession is not just about prayer.
L'intercession n'est pas juste prier. But it is also action in the face of injustice. C'est également la prière, l'intercession en face de l'injustice. For example, Jesus was a wailing man in the Garden of Gethsemane. Alors, par exemple, Jésus, c'était l'homme pleureur. À la montagne de Gethsemane. He bore a great burden as he leaned upon the rock and he sweat drops of blood. Alors, gémissait, il pleurait à telle enseigne que la sueur qui coulait sur lui, c'était des grumeaux de sang. He wept and interceded and allowed himself to be pressed. Alors, il pleurait et gémissait, permettant que lui-même soit tellement pressé parce que c'était pour le salut. This was not just for the sake of religious prayers. Ce n'est pas simplement l'esprit de la religiosité. But it was for the purpose of death that brings forth life. C'était donc à propos de la mort par laquelle la vie devait venir. We don't just pray for prayer's sake. Nous ne prions pas seulement pour le but de prier. But so that something will happen on earth. Mais il y a quelque chose qui va devoir être accouché sur la terre des hommes. The Garden of Gethsemane means wine press. Wine press, like when you press. Alors, quand on parle de Gethsemane, c'est d'être oppressé, d'être écrasé pour que quelque chose sorte. The Greek word shemen is found in the word Gethsemane. Le mot grec qu'on retrouve dans le mot Gethsemane. Shemen is where we get the English word for male reproductive fluid. Alors, cela veut dire que l'homme compresse pour que ça puisse produire du fluide. I'm putting you to work this morning. Male reproductive fluid that brings forth children. Alors, l'homme qui arrive à coucher, qui arrive à donner la vie aux enfants. Jesus was pressed in intercession in the garden. Jésus gémissait dans l'intercession avec Dieu parce que quelque chose devait en sortir. But imagine if Jesus had stopped there after praying and did not actually go to the cross. S'il avait stoppé de prier, de gémir, il ne serait pas allé jusqu'à la croix. Jesus not only prayed in the garden, but he went to the cross. Jésus n'est pas resté simplement prier, intercéder, mais il a pu dépasser le stade de la prière et pouvoir arriver jusqu'à la croix. He allowed God to actually lead him in intercession all the way to death. Il a donné la possibilité à Dieu de trouver la voie, de le pousser à travers l'intercession jusqu'à pouvoir atteindre la croix. I have a question for you praying people. Alors j'ai une question pour vous qui priez. Are you ready to actually go to the cross, whatever that means? Alors où tu es prêt d'aller jusqu'à la croix ou alors? Jesus actually went to the cross. Jésus lui l'a prié, l'a ouvert jusqu'à la croix. And became the ultimate intercessor. Et est devenu l'intercesseur ultime. We also see this in the life of Joseph, who was mentioned yesterday. Nous avons vu également dans la vie de Joseph, nous en avons en parlé hier. Joseph was not just a praying person. Alors, Joseph n'était pas seulement quelqu'un qui priait. But Joseph was literally sold into slavery. Alors, il était vendu même comme esclave. He was sold into slavery to redeem the land. Il était vendu comme esclave pour pouvoir racheter la terre. He was sold into slavery to break generational curses. Il était vendu comme esclave pour pouvoir briser les chaînes d'esclavage de la génération. God is not just the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Dieu n'est pas simplement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. God is the God of Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et même de Joseph. The Bible says that generational curses go to three and four generations. La Bible dit que les malédictions vont de la troisième à la quatrième génération. But God blesses the righteous with a blessing for 1,000 generations. Alors quand Dieu laisse un juste pour gérer les prières, c'est pour des milliers de générations. You can see a generational curse in Abraham, Isaac, and Jacob. Nous pouvons voir la génération de malédiction à travers Abraham, Isaac et Jacob. Abraham lied about his wife. Abraham avait menti par rapport à sa femme. Isaac lied. Isaac a menti par rapport à sa femme. Jacob was a deceiver. Alors, Jacob était le voleur, le menteur. But then there was Joseph. Mais quand Joseph who was righteous. Qui était le juste. Who did right in wrong situations. Faisant la chose juste dans la situation mauvaise. He was yet sold into slavery. Alors, il était vendu comme esclave. He was laid in a pit. Alors, il a été descendu dans les abîmes. He was sent to a foreign land. Il a été envoyé en terre étrangère. So that he could become an intercessor. Alors, il est devenu un intercesseur. So that he could have 1,000 children.
generational blessing. And s'il pouvait donc avoir une milliard de générations par la. And redeem the economy of Egypt. Et il était capable de racheter l'économie de l'Égypte. And redeem a land in famine. Et il pouvait racheter la terre qui était en pleine famine. Joseph became a deliverer to the land. Alors Joseph est devenu le sauveur de la nation. And I want to prophesy over the wailing women. Et je voudrais prophétiser sur les femmes pleureuses. That you have been sold into slavery. That you have been positioned to pray. So that you can bring deliverance to your country. But you have not yet seen the fullness of your prayers yet. God is promising you a blessing in Europe. God is promising you a blessing in Europe. That will last for 1,000 generations. You are greeting the answer to your prayers from a distance. You are greeting the answer to your own prayers at a distance. As Abraham greeted the promise from the Lord. Alors vous allez pouvoir obtenir les réponses à vos prières à partir de loin selon votre attitude. So let me exhort you today when you pray. Alors laisse-moi t'exhorter ce jour te disant que lorsque tu pries, you are praying for things you may not live to see. Alors tu pries pas pour que ça demeure là, c'est pour voir les résultats. You are establishing something in Europe you may alors, not see. Alors tu établis sur quelque chose en Europe que tu devrais voir. But as surely as His word does not return void. Alors, sûrement, tu le verras. As surely as your intercession is an answer to God. Alors, c'est sûrement à travers l'intercession, ce sera une réponse que tu obtiendras. The continent of Europe will be transformed. Alors, le continent de l'Europe sera transformé. Hallelujah. Hallelujah. I remember when my great-grandfather used to pray. Alors, je me souviens quand j'avais l'habitude. I wasn't even born. Mon arrière-grand-père. Je me souviens quand mon arrière-grand-père priait. He used to pray and intercede for every generation that was to come after him. Alors il priait en veillant de voir qu'après lui, qu'à chaque génération qui est quelque chose. He was praying for me before I was even born. Il priait pour lui avant même qu'il ne voie le jour, qu'il ne naisse. So when I went into ministry, I began leading revival meetings. Alors quand il est né, il a grandi, il pouvait se retrouver en train de ministrer pour le ministère de l'éveil. I remember coming home from a service and God had done extraordinary things. Alors il se souvient qu'après même des cultes, quand il arrivait à la maison, il se trouvait en train de faire des choses extraordinaires. I felt like a big deal. You think I thought I was a big deal. Alors, il se disait à ce moment qu'il était un grand, un puissant. I remember saying, wow, God, look how you're using me. I am God's man for the hour. And God interrupted my thoughts and spoke to me. He said, it had nothing to do with you. I was just honoring the prayers of your great-grandfather. I prophesy to you, wailing women and men, that there is something coming that will have nothing to do with those who are leading it. But it will be a response to a remnant that is sitting here. And God will honor your prayers with a harvest in Europe. God will honor your prayers with a harvest in Europe. Amen. We know and understand that curses can rest on cities and nations. That cause the kingdom of heaven to be absent. We see this in Genesis chapter 5, verse 29. You don't have to go there, but you can write down the verse. I'm going to read it to you, and then the translator will read it in en français. Thank you.
Genesis 5:29. Genèse 5, verset 29. And God called his name Noah, saying, out of the ground that the Lord has cursed, this one shall bring us relief from our work and from the painful toil of our hands. Je lis en français. Genèse 5, verset 29. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Can you imagine that God actually cursed the land? Est-ce qu'on peut s'imaginer Dieu qui maudit la terre? But I promise you that even something God curses, alors je vous promets que toute chose que Dieu maudit, God is able to redeem. Alors Dieu est également capable de la racheter. But notice that the result of the curse, mais sachons que le résultat de la malédiction, was painful toil and discomfort. Alors c'est pénible et ça détruit. This is the problem that we as believers face in our countries. C'est ce dont auquel nous faisons face dans nos différentes nations. The painful toil of trying to redeem the land. Ça prend du temps pour acheter la terre. I want you to see this again in Hosea chapter 4, verses 1 to 6. Regardons également dans Hosea 4. Hosea chapter 4, verses 1 to 6. Hosea 4, du verset 1 au verset 6. Hosea chapitre 4. Hosea 4, verses 1 to 6. Hosea chapitre 4, du verset 1 au verset 6. In English, it says this. Hear the word of the Lord, O children of Israel, for the Lord has a controversy with the inhabitants of the land. There is no faithfulness or steadfast love, and no knowledge of God in the land. There is swearing, lying, murder, stealing, and committing adultery. They break all bounds, and bloodshed follows bloodshed. Therefore, the land mourns, and all who dwell in it languish, and also the beasts of the field, and the birds of the heavens, and even the fish of the sea are taken away. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. So we see that even the Bible says that the land can mourn. Alors, nous voyons que la Bible nous dit que même la terre peut faillir. But the land mourns as a result of how people behave. Alors, c'est le résultat de comment le peuple sur cette terre la vit. That's why it is so important to pray and intercede for purity among us believers. C'est pourquoi on prie pour pouvoir voir la pureté au milieu des croyants. As was said yesterday. Comme nous avons dit hier. Because where there is a critical mass of righteousness, parce que quand il y a la congrégation des justes, it can become a form of intercession that brings a blessing on the land. Alors ça peut être un groupe qui à travers l'intercession plaide. Il peut avoir le changement dans la nation. Can we imagine wailing women who don't just wail in prayer but walk in consecration? Alors imaginez-vous que nous pouvons voir les femmes pleureuses, pas seulement celles qui intercèdent, mais qui marchent dans le chemin, la voie de la consécration. I want to read you another scripture now because I am a very thorough speaker. Alors, je voudrais vous lire un certain nombre des écritures maintenant. And you brought me all the way from Canada. Vous m'avez ramené tout droit du Canada. So I don't just want to inspire you, I want to give you the word. Donc je ne voudrais pas simplement vous inspirer, je veux vous donner un certain nombre de paroles. And your hours are longer than Canadian hours. Genesis chapter 3. Genèse chapitre 3. Verses 17 to 18. Verset 17 au verset 18. This takes us all the way back to the beginning. Alors, cela parle du commencement. Genesis chapter 3, Genèse chapitre 3, verses 17 to 18.
Du verset 17 au verset 18. I'll read it in English. Il lit en anglais. And to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife and have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. Thorns and thistles it shall bring forth for you. Je lis en français. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce tort, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. What is the term thorns and thistles en français? En français, veut dire épines et ronces. Thorns and thistles. The result of a curse is thorns and thistles. Les résultats de la malédiction, ce sont les épines, ce sont les ronces. Thorns and thistles spiritually. Alors, les épines et les ronces spirituellement. Are any kind of hindrance. Alors, tout genre de péché. Or anything that is choking the land. Alors, c'est toute forme de toute chose qui peut bloquer, qui peut retenir la terre. Every nation has thorns and thistles. Alors, chaque nation a des épines et des ronces. In Canada, the thorns and thistles are the abortion problem. Alors, même au Canada, les épines et les ronces, le Canada connaît des problèmes. Sex trafficking. Sex trafficking. The homosexual agenda. L'agenda de l'homosexualité. If there is anything that is contrary to the kingdom of God in your country, s'il y a toute chose qui est contre la volonté de Dieu dans ta nation, or in Europe, ou en Europe, it means there is the presence of thorns and thistles. Ceci est le signe, le symbole qui a la présence des épines et des ronces dans cette nation. It does not mean that God is too weak. Ce n'est pas que Dieu est tellement faible. I don't know if you're hearing me this morning. It does not mean that God is not able. It does not mean that there is a mountain higher than the church. It does not mean that your prayers are not enough. It means that there is the presence of a curse. So this is good news for Christians. Alors voici la bonne nouvelle pour les chrétiens. This is good news for wailing women. Alors voici la bonne nouvelle pour les femmes pleureuses. Because what the European governments are not able to do in the land. Parce que quand le gouvernement ne pourra pas réaliser cette chose dans le pays. We as people of intercession are able to do. Amen. D'intercession capable de le faire. Any government that is not able to rid the land of thorns and thistles. Alors tout gouvernement pourra ne pas être capable de pouvoir délivrer la nation. A simple woman who is on her knees in prayer. Mais une simple femme à genoux sur la prière. A few wailing women. Le peu de femmes heureuses. A few people of prayer. Le peu de gens de prière. Who are able to put a stake in the ground. Qui seront capables de pouvoir lever les pieds et cogner la terre. You are able to redeem the land. Tu es capable de racheter la terre. We must intercede for the land the way we intercede for people. Nous devons pouvoir voir sur la terre ce que nous voyons dans la vie des gens. The problem is we lack faith for this. Le problème c'est que nous manquons la foi dans ce que nous faisons. We have faith for the salvation of our household. Nous avons beaucoup de foi pour le salut. We have faith for physical healing. Nous avons la foi pour la délivrance. We have faith for financial blessing. Nous avons la foi pour les bénédictions financières. But we don't have faith that changes nations. Mais nous avons la foi quant au changement des nations. We don't have faith to see all of Europe turned upside down. Nous n'avons pas la foi de voir, de prédire capable, de croire que Dieu est capable de tourner l'Europe sans dessus dessous. Faith is not just prayers. La foi n'est pas simplement prier. Faith without action is dead. Alors la foi sans action est morte. Faith is not hope. La foi c'est pas l'espérance.
Faith is assurance. La foi, c'est la démonstration des choses. Of assurance that comes by coming into agreement with the word of God. Alors, la foi vient par rapport à l'agrément avec la parole de Dieu. Therefore, on what basis can we redeem the land? Alors, dans ce cas, sur quelle base pourrons-nous racheter? What scriptural basis do we have to redeem the land? Quelle base nous avons pour pouvoir racheter la terre? What can we pray according to? Qu'est-ce que nous pouvons prier et faire pour réaccomplir? I'm glad you asked. Je suis content de demander. Matthew chapter 27. Matthieu. And verse 29. Matthew chapter 27. Matthieu 27. Matthieu 27. And verse 29. Verset 29. And I'm going to be reading from 29 to 31. Alors, you, il va lire du verset 29 au verset 31. Are you with me this morning? Yes. Are you avec lui ce matin? Are you enjoying this? Oh yes. Is it touching your spirit? Yes. Amen. All right, let's read it together. And twisting together a crown of thorns, they put it on his head and put a reed in his right hand. And kneeling before him, they mocked him, saying, Hail, King of the Jews. And they spit on him and took the reed and struck him on the head. And when they had mocked him, they stripped him of the robe and put his own clothes on him and led him away to crucify him. Je lis en français. Ils tressèrent une couronne d'épines. Ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant, « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Any suffering that Jesus endured was a form of intercession. Alors toute souffrance que Jésus a endurée, c'était une forme d'intercession. In fact, Isaiah chapter 43 says this. Alors dans Isaïe 43, il dit, Because you are precious in my sight and loved. Because you are precious in my sight and loved. Parce que vous êtes précieux à moi et puis plein d'amour. I will give nations to you in exchange for your suffering. Je vais vous donner des nations en échange de vos souffrances. It says, I will give Cush and Seba in your place. Je vais donner l'Éthiopie et l'Égypte en rançon pour toi. Isaiah 43, I think verse 2 or verse 3 it begins. But je vois Isaïe 43, verset 2 ou verset 3. This is the economy of God as far as intercession is concerned. Ça, c'est l'économie de Dieu à travers l'intercession. Meaning this, God must give you something of equal value to your life. Alors, ceci signifie en quelque sorte que Dieu va te donner l'équivalent de ce qui correspond à ta vie. Meaning, if you lay your life down in martyrdom or suffering, alors, ceci signifie que si tu abandonnes ta vie dans cette souffrance, if you lay your life down in fasting and prayers, alors, si tu abandonnes ta vie dans le jeûne et la prière, God must reward you with something of equal value or greater than your life. Dieu va te récompenser avec quelque chose d'équivalent à ta vie. In any way that you suffer for other people, God must reward you. De toute manière, autant que tu souffres pour les autres, Dieu va te récompenser. But the extreme prosperity gospel that came out of America, alors, the extreme prosperity gospel, and we see some of this in Nigeria maybe, nous voyons aussi un peu de cela au Nigeria, teaches that because you have suffered for the gospel, parce que ils ont souffert pour l'évangile, or because you pray and fast, parce que tu jeûnes et tu pries, that God owes you a new car. Alors Dieu va te récompenser. He owes you a beautiful house. Alors il va te bâtir une belle maison. He owes you money. Il va te donner de l'argent. So we say, God, you owe me money. Alors tu peux dire, Dieu, tu me dois de l'argent. God laughs at this. Alors Dieu a ri. Because I'll tell you why. Pourquoi? Because money and paper and material things, parce que l'argent et les autres choses sont matérielles, are just byproducts of kingdom living. Et ça fait partie de la vie. They are not on equal platform to the value of your life. Oh, yes. Mais il y a d'autres choses au niveau de ta vie personnelle. God would be devaluing you
Dieu va te dévaluer. If he gave you material things in exchange for your intercession. That's why when Jesus went to the cross, God said, oh, ask of me and I will give nations to you as your inheritance. Therefore, because of your intercession and sacrifice, God must give you something of equal value to your life. He must give you souls and nations. He owes you people. He owes you Europe. He owes you your nation. In exchange for your suffering. In exchange for your petitioning. He wants to give you the land. He wants to give you the land. How do we know this? Because Jesus modeled intercession. When he went and hung on the cross went into the ground. The cross that he suffered on went into the ground. This was like a picture of planting the kingdom of God flag in the ground. It was to say that, you know, I now have dominion over the land. And even the devil did not understand this. Because it says they would not have crucified him had they known. Even the devil himself thinks that you are just wasting your time. But he does not understand that the land is being redeemed by your prayers. 15 minutes more. All right, let's keep going. So you understand that concept? Amazing. It's like a stake in the ground. And the Sadducees thought that Jesus had to take over the Roman Empire. They wanted Jesus to reign in the land. But Jesus essentially said, the way that I redeem the land is by dying on the land. So not only did the cross go into the ground, but they put a crown of thorns on his head. Do you remember the thorns and thistles? Had the devil only known. When they put that crown of thorns on his head, Jesus was essentially saying, I am king over the curses of the land. I am crowned king over these curses. Because I am the great intercessor. The way I redeem the land is by suffering on the land. Oh, praise God. This was a redemption of the land's curses. The next thing they did was they put a reed from the ground in his hand. The reed in the hand symbolized a scepter. A scepter symbolizes authority to commission. When they put a scepter in Jesus' hand, they were mocking him as though he didn't have authority. But Jesus understood as an intercessor that by holding the reed in his hand, he now was obtaining authority in the land to be able to commission and send people. To have dominion. To disciple nations. Amen. That's why he said, now that I've died, all authority in heaven and earth has been given to me, therefore go.
I want to say something crazy to you this morning. The Bible says to pray the Lord of the harvest to send out laborers. Pray the Lord of the harvest to commission laborers. I challenge you as praying people today to use the scepter of prayer in your hand and commission people you have not even met yet to go and redeem the land. When you pray as intercessors, then you can actually send people out to the nation. You couldn't understand what I'm saying. So powerful that you can pray and things begin to happen. We have authority. Nous avons l'autorité. You have authority based on your intercession. Nous avons le pouvoir d'intercession. However, why are we not seeing some results? Quand nous ne voyons pas de résultats, the Bible says that we still wrestle not against flesh and blood, la Bible dit nous prions pas contre la chair et le sang, but against the principalities and powers over nations. Nous prions contre les principautés et les dominations dans les nations. I never understood this before. Alors, je n'avais jamais compris ceci auparavant. In fact, Luke 11 and verse 20, en effet, quand nous allons au verset 20, to 22 says this. 20 au 22. But if it is by the finger of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man, fully armed, guards his own palace, his goods are safe. But when one stronger than he attacks him and overcomes him, he takes away his armor in which he trusted and divides his spoil. Alors, je lis en français. Dans Luc 11, du verset 20 au verset 22. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Luke's gospel gives this text differently than Matthew and Mark's. Alors, nous voyons que ce texte est différent de ce que Marx a écrit. Are you still with me this morning? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? You flew me all the way from Canada, so I'm giving everything I can. Alors, vous m'avez amené très loin du Canada, alors je vous donne tout ce qui est nécessaire en parole. Now, Matthew and Mark's gospel used to be my understanding. Matthew and Mark's gospel used to be my understanding. Quand nous lisons Marc et que nous venons de lire ici, nous avons mieux la compréhension. I said, okay, if there is a strong man over the land, then I just need to bind him. Alors je me dis que voici l'homme fort de la nation, mais je vais devoir me prier. So I started all my prayer meetings in Canada. Alors, j'ai pris ce temps. J'ai commencé la nuit de prière. Teaching Canadians to pray like Nigerians. Alors, je demande aux Canadiens de prier comme les Nigériens. We used to just, oftentimes we would just bind the strong. Alors, très souvent, quand nous prions, nous sommes seulement en train de lier. And to see my city transformed, I made myself homeless for 3 days. Alors, pour me voir, je me suis humilié pendant 3 jours pour pouvoir me humilier. Pour transformer ma cité, la pensée. And I'll close with this story for time's sake. Alors, pour clore cette histoire, but I was going out on the street and living with the homeless people. Alors, je vais parfois dans les rues pour vivre avec des gens humbles. I had what some would say was already a successful ministry in Canada. Alors, j'ai quelques gens avec qui j'exerce souvent le ministère au Canada. But I knew there had to be more. I knew there had to be more. Alors, je sais que j'ai des gens. Because we were having revival, but the city did not know we even existed. We were having revival. Ils ont le réveil. But the city didn't even know we existed. Mais on se demande si cela existait véritablement. So I left my church office. La ville ne savait pas si eux ils existaient. And I went out on the street. Alors il est allé le long des rues. I lived with the homeless and the drug addicts. Alors, il est allé, il marchait avec des gens qui humblent ça et là. And I was praying up to 10 hours a day.
Et je priais. But I didn't know how to pray. Mais ils ne savaient même pas comment prier. I didn't know how to pray effectively. Ils ne savaient pas comment prier effectivement. So I was walking the street, binding the strong man. Alors il marchait le long des rues, liant l'homme fort. I was yelling at the strong man. Alors il voulait voir l'homme fort. Commanding him to come down. Il voulait donc lui commander de descendre. And then I thought, well, why should he listen to me? Alors il se demandait parfois pourquoi il ne m'écoute pas. I didn't understand how the armor of the strong man worked. Alors, il n'avait pas compris comment en fait l'homme fort m'a fonctionné. But because of my desperation out there being homeless, alors, ayant l'inspiration qu'il fallait aller avec des hommes, God rewarded my suffering and prayer with revelation. Alors, Dieu donc a récompensé sa prière par la révélation. And God began to tell me about the armor of the strong man. Alors, Dieu a commencé par lui parler de l'homme fort. That the strong man's armor is based upon the transgressions on the land. Et que l'homme fort, s'il est là, c'est à cause de la transgression sur la nation. Meaning, the enemy has legal rights in our cities. Ça veut dire que l'homme fort a le droit légal sur notre nation. Please pay close attention to this part. Alors, pour clôturer cette section. The strong man has legal right over the land. Alors l'homme fort a le droit légal sur la nation. Because of the sins of the people. À cause du péché du peuple. And because of the sins of the church. Et à cause aussi du péché de l'église. Do you understand? Yes. Est-ce que vous comprenez? So I began to write down based on revelation the sins I was seeing in the land. Alors j'ai commencé à écrire toutes les révélations que je recevais par rapport à la nation. I saw prostitution. Alors, j'ai vu la prostitution. Let's all greet our friends who have just come in here. Alors, attendons et puis saluons notre frère qui est arrivé. Can we welcome them? Est-ce que nous pouvons les accueillir? We move this so they can be seated. Alors. So, the sin of the land, I began to write down. Alors, il a commencé à écrire tous les péchés qu'il constatait dans la nation. I took special notice of it. Okay. Special notice of it. J'ai noté spécialement tous ces péchés. D'accord, ok. Il a donc pris les notes spécifiquement de tous ces types de péchés qu'il voyait. So I listed all the transgressions on the land that I could see. Alors il a essayé de noter tous les types de transgressions qu'il notait dans la nation. And then I began to repent on behalf of those people. Il s'est donc mis comme intercesseur, commençant à se repentir par rapport aux péchés que posaient tous ces gens-là. I used to just try to bind the strong man without dealing with the sins. Alors, j'avais donc coutume seulement de lier l'homme fort sans traiter d'abord avec le péché. It's actually like throwing spears at a fully armored person and the spears just bounce off. Donc, c'est comme on lance peut-être des flèches contre les esprits sans... contre la chair. This is how many of our churches are praying. C'est comme ça que plusieurs églises prient. But if I was a fully armored soldier, alors, mais la Bible dit, and the spears of people were just bouncing off me, and the spears, les flèches, oui, arrows, les flèches. If they were just bouncing off me, I would feel very great. So many times the church is praying in such a way. And the strong man receives this as worship. Et donc, quand nous faisons mal, l'homme fort reçoit nos échecs comme de l'adoration. And even in worse cases, et dans ces cas, the strong man is irritated and responds with curses. Alors, donc, l'homme fort se lève et il agit par rapport à la malédiction. Especially to our pastors who are trying to bind the strong man while living a lifestyle of sin. Particulièrement pour ceux de nos pasteurs dans les églises qui essaient de lier l'homme fort alors qu'eux-mêmes vivent dans le péché. You might not think this applies to you. L'homme, tu as une place pour toi.
maybe you are already so educated in this. But you'd be surprised, many people do not know this. So you don't want to touch a strong man if you are living in sin. So I began to repent of all any sin in my life, even though I was a pastor. I was a successful pastor by Canadian standards. So I first repented for my own sin. Alors, il commence par se repentir pour lui-même. And then I began to repent for the sins of the city. Et puis, il se met donc à se repentir pour les péchés des autres. The armor of the strong man is the sin of the city. The armor of the strong man is the sin of the city. So when I repented on the land, it strips the strong man of his armor. Alors quand il se repent donc pour les péchés, les siens et la nation, alors il brise le pouvoir de l'homme fort. When the repentance and intercession is done, the armor falls off. The enemy has no legal right then to exist. Once a sufficient level of intercession has been done on the land, the strong man is stripped of the armor. However, the strong man is still present in the land. I'm getting a word of knowledge right now. Now there are some here who don't even believe in a strong man. Once the armor is stripped off, and the repentance has been done, alors, la repentance est faite. Then you begin to bind and loose. Alors, à ce moment-là, tu peux commencer à lier l'homme fort. So I began to bind and loose. Alors, à ce niveau-là, commencer à lier l'homme fort. I'm going to close right now. I went back home. Alors, il est rentré à la maison. And from that point, et à partir de ce moment, we launched many social projects in the city. Alors, ils ont essayé de projeter plusieurs films dans la cité, dans la ville. Because now you have to replace the corrupt systems in the region. Parce qu'il faut déjà remplacer le système corrompu. So to make a long story short, pour rendre l'histoire courte, we began to send out laborers into the land. Nous avons commencé à envoyer les voisins dans la ville, dans la cité. We sent out apostolic leaders to replace the evil systems with righteous systems. Alors, nous avons envoyé des leaders pour remplacer le système mauvais par ce qui était bien. Why do you need systems of righteousness? Parce qu'il nous faut le système de la justice. So that the strong man cannot come back. Alors, en faisant ainsi, l'homme fort ne pourra plus revenir. So then we set up systems that enforce righteousness to the point that the mayor of the city, thought that I had hundreds, maybe thousands of followers. Alors, comme il nous racontait par rapport à ce qu'il a eu à faire, après donc comme résultat, il y a eu tellement de gens qui l'ont suivi, si bien que le maire de la place croyait qu'il avait des milliers de gens derrière lui. But I had only started 15 social projects. J'avais seulement commencé 15 projets. But these 15 people were so effective in the land. Alors, il y a eu au moins 15 personnes qui étaient touchées dans la zone. That the mayor gave me an award in the city. Alors. Because the land was being so transformed. So the church in the region said, well, he's getting results that we are not getting. So he must be a cult leader. So since that time, I started an academy called History Makers Academy.
Alors depuis ce moment, il a fait tellement. Il a commencé à faire des choses. And I'm now training people all over the world how to do exactly this. Et en ce moment, après ses recherches, il a pris la résolution d'entraîner plusieurs qu'il est en train de former. This is why we're seeing what we're seeing in Bulgaria. I just need somebody to invite me into the lab. Well, I'll finish this morning. Did you enjoy this? Did you get something from we hold a special training for prayer and intercession. It's a 3.5-day intensive training. Ça prend un demi-journée de prière et danse. To do exactly what I have said. Pour faire ce que je voulais vous dire. And you must pray for me. Et vous devez prier pour moi. You must pray for us. Vous devez prier pour eux. Because we are training people before the return of Christ. Parce que nous entraînons les gens en formant pour l'église du Christ. I'm going to turn this over because I think I've gone over even your time. I apologize for that. But I sensed some distraction in the room when I was getting to the main point. And if I've come all the way from Canada, I want to make sure we defeat the enemy. Thank you so much. God bless you. I hope you are getting blessed and you are blessed. Amen. J'espère que nous sommes tous bénis de la part du Seigneur. How great is your name? Sing with me, how great you are. Seigneur, nous nous attendons à toi selon ce qui est écrit dans ta parole. Father, who can speak when you have not spoken? Seigneur, qui peut parler lorsque tu n'as pas encore parlé? Who can declare when you have not declared? Qui peut déclarer quand tu ne l'as pas encore fait? And so, Lord, I submit myself and my sister and the congregation unto you. Seigneur, je me soumets à toi ainsi que mes sœurs. We ask that you will circumcise our ears and our hearts to hear from you. Nous te prions de circoncire nos yeux et nos oreilles pour toi. May flesh not speak to us. Que la chair ne nous parle pas. We decrease and ask that you will increase. Éternel, nous rabaissons afin que tu nous élèves. Thank you, Father. Afin que tu sois élevé. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Gloire à Dieu. The theme of our conference says, "Thy kingdom come, thy will be done on earth." Le thème de notre conférence est que son règne vienne et que sa volonté soit faite. I want to ask, what is the kingdom? J'aimerais bien qu'on accueille le Seigneur. The kingdom we want to come. Le royaume qui doit venir.
And simply, it says, righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Alors, le Seigneur parle de justice, de paix dans le royaume. Ça, c'est le royaume de Dieu. And what is righteousness? Qu'est-ce que la justice? Doing the right thing. La faire, la, ce qui est bien. At the right time. Au bon moment. In the right place. À la bonne place. That is righteousness. C'est ça, la justice. And peace. Et la paix. He said the peace he gives to us. La paix que le Seigneur nous not a. As the world gives. Ce n'est pas comme le monde. Peace is not absence of trouble. La paix, ce n'est pas l'absence de trouble. But it's serenity in the midst of trouble. C'est la sérénité dans les moments difficiles. There is commotion, there is problem, there is so many things happening, but your mind is cool, trusting in the Lord. Alors, il y a beaucoup de choses qui vous arrivent, mais seulement vous avez la paix dans le Seigneur. You are not perturbed. You are not, you know, no anxiety. You are not worried by the things that because there are people that when things are happening, they are pissed off, they can't sleep, they are restless, they are confused. But that is not the peace of God. Alors, la paix du Seigneur, on n'est pas préoccupé, on n'est pas inquiet, parce que sa paix nous comble. The peace that God gives us is that in the midst of all those things, you are still strong, standing strong. La paix que le Seigneur donne, c'est que dans les moments difficiles, vous êtes toujours fort. And the book of Nehemiah chapter 8, it says, the joy of the Lord is our strength. Et dans Néhémie 8, le Seigneur dit, la joie du Seigneur est notre force. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. On sing this song. God has something to say. Quand on chante cette chanson, Dieu a quelque God chose à dire. God has something to say. Dieu a quelque chose à dire. Listen, listen. Pay great attention, for God has something to say. Soyez attentifs, écoutez bien, parce que le Seigneur a quelque chose à dire. Please, may I ask, how many of us did God speak to this morning? If God spoke to you, raise up your hand. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce à qui le Seigneur a parlé ce matin? My sister, come please. Ma soeur, what did he tell you? What did he say to you? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Le Seigneur dit qu'il devait avoir une bataille. Comment le Seigneur t'a parlé? I had the Lord personally when we were sharing a Bible study about the relationship, personal relationship with Him. Without it, we couldn't go anywhere. And also, when we were here, He showed a vision of the church coming together and in unity to do His will. Alors, le Seigneur lui a parlé quand il y a au moment de l'étude biblique des relations entre nous et de l'unité qu'il doit avoir. I was deeply touched by the message we heard from our brother from Canada, and especially the topic of repentance. He said repentance is always linked to an action afterwards, and this needs to be very deep in our spirit and in our hearts, that repentance without action is not repentance. We know that needs to be practiced. Yeah. Praise the Lord. Did any other person apart from hearing from the minister this morning? Is there any other person here from any other means? Any other way? Ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que pour pouvoir faire son œuvre, nous devons être justes afin de pouvoir nous tenir entre lui et les hommes et vraiment accomplir ce pourquoi il nous a parlé. Donc le travail commence d'abord. To stand in the presence of God, God tells her that in the presence of God, if you want to stand in the presence of God, you have to be righteous. In order to accomplish what? Did you see God in person? Oui. Est-ce que tu as, de quelle manière tu as eu ce message?
Il m'a parlé par rapport à une situation que je vis actuellement. Speaks to her because about the situation. Praise the Lord. Praise the Lord. So this shows that God speaks. Toutes ces personnes à qui Dieu a parlé. God speaks at all times. God speaks every time. God speaks in at any moment. Dieu parle à tout moment. But I want to say that in the world today there are a lot of voices. Aujourd'hui il y a beaucoup de voix dans le monde. Especially in the media. Spécialement dans les médias. We have the voice of social media. Vous avez les voix des médias sociaux. The voice of Twitter. The voice of Facebook. Facebook. The voice of LinkedIn. WhatsApp. The WhatsApp. We have the voice of Al Jazeera. We have the voice of CNN. CNN. We have so many voices that are speaking. Nous avons beaucoup de voix qui parlent. The newspaper is there. Les journaux. And all these voices create confusion. Toutes ces voix créent la confusion. Sometimes they create fear. Des fois, ça crée la peur, la crainte. Sometimes we can't comprehend it. Des moments, on ne peut pas les comprendre. And so it's in the midst of these voices that we need to hear from God. Et c'est dans le milieu de toutes ces voix que nous devons écouter la voix du Seigneur. Praise the Lord. Gloire à Dieu. And we have seen that God is speaking, but the problem is how many people are hearing Him. Nous savons que le Seigneur parle toujours, mais combien de personnes l'écoutent? You know, there is a saying we use to say, eyes are eyes, some are blind. And ears are ears, some are deaf. Des fois on dit nos yeux sont, nous sommes aveugles et nous n'entendons pas. And also there was a particular a place in the scripture, God said, He hardened their head, ears, so that they cannot hear. Le Seigneur dit qu'ils ont des oreilles telles qu'ils ne peuvent pas entendre. So to hear from God is a great privilege. Pour écouter le Seigneur, c'est un grand privilège. And I want to say that God cannot speak to us when our hearts are noisy. Le Seigneur ne peut pas nous parler si nos cœurs ne sont pas disposés. God cannot speak to us when we are chatting away. Le Seigneur ne peut pas nous parler lorsque nous murmurons. God cannot speak to us when we are very busy and we are crowded with busy activities. Le Seigneur ne peut pas nous parler quand nous sommes occupés par nos multiples activités. For God to speak to us, we have to create the avenue. Afin que le Seigneur nous parle, nous devons créer un moment particulier. And God speaks to us in different ways. Le Seigneur nous parle de différentes manières. We know He's not a stereotype God. Il n'est pas un Dieu stéréotypé. But as an individual. Il nous parle de façon individuelle. You have to know the way God speaks to you. Vous devez savoir de quelle manière le Seigneur, comment le Seigneur vous parle. He may not be speaking to you in one way. Le Seigneur ne doit pas vous parler d'une seule manière. He may speak to you in multifaceted way. Il doit vous parler de plusieurs manières. But you have to know exactly when and how He speaks to you. Mais vous devez savoir exactement à quel moment et quand il vous parle. It's very, you know, confusing that some people they only want to hear God in specific situations. La plupart des gens veulent écouter le Seigneur dans des situations particulières. Like young people, some of them have not developed a relationship with God, but when it comes to marriage, they want to hear God. La plupart des jeunes ne développent pas de relation avec Dieu, mais quand il s'agit du mariage, là, ils veulent écouter la voix du Seigneur. Some others want to hear God when they want to do business. Ils veulent écouter le Seigneur lorsque ils ont leur affaire à faire. Or maybe there is something they are going through and God stop. They say, I want to hear God. Ou lorsqu'ils ont leur intérêt personnel, là, ils disent, non, là, j'ai envie d'écouter la voix du Seigneur. Hearing God is a relationship. Écouter le Seigneur, c'est une relation. Because if you don't know, it's like in a family. Parce que si vous ne savez, comme vous le savez, c'est comme dans la famille. Nobody tells you the voice of your mother, even in the midst of the crowd. Personne n'a besoin de vous rappeler la voix de votre mère, même dans le milieu. Nobody tells you the sound of the horn of your father's car when he's coming back. Personne ne vous dit le son de la voiture qui arrive chez vous. Why? C'est votre père. Why is that so? Pourquoi? Because you have developed a relationship. Parce que vous avez développé une relation personnelle. So you can distinguish the voice of your mother in the midst of the crowd. Donc vous pouvez distinguer la voix de votre mère au milieu de la foule. You can also distinguish the horn of your father in the midst of many cars. De la même manière, vous pouvez le faire également pour votre père. So there are, I want to thank God for the organizers of this conference. Je veux remercier le Seigneur pour les organisateurs de cette Because conférence. The three things that were put in place, they go simultaneously. Parce que les trois
plusieurs choses qui ont été mises en place simultanément. Hearing God, écouter le Seigneur, then were trusting God, croire au Seigneur, and walking with Him. Marcher dans l'obéissance. When you hear God, there is need for you to trust Him. Quand vous pouvez être à l'écoute du Seigneur, il faut croire. And also, there is need for you to walk with Him. C'est aussi important pour vous de marcher avec lui. But I want to say, like God said, the hearing ear and the seeing eye, the Lord had met even both of them in Psalm 18, 44. Psalm 18, verse 44. Dans Psalm 13, 44. So God met the ear for hearing. Psalm 18, verse 44. Psalm 18, verset 44. So the Lord met the hearing ear. Le Seigneur est à l'écoute. And He gave us the ear to hear. Et il nous a fait les oreilles pour entendre. Because He speaks. Parce qu'il parle. We are women intercessors. Nous sommes des intercesseurs. And intercession, or when prayer is a communication. On a la prière, c'est notre communication. And communication is a dual, something. You know, when there is a sender. And there is a recipient. Alors quand on intercède, c'est comme si on creuse quelque chose. When you release, send a message, quand vous relâchez le message, you will be waiting for a feedback. Vous attendez un retour. But if there is no feedback, there is no communication. Mais s'il n'y a pas de feedback, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication. So when we are praying, we are communicating with God. Quand nous prions, nous communiquons avec Dieu. I want to hear God. Et nous voulons entendre le Before Seigneur. I continue, I want to say, who is God? Avant de continuer, j'aimerais savoir qui est le Seigneur. It can be that we are here, but most of us don't know who God is. Parce que nous sommes tous là, mais il y en a peut-être. God is the creator of the entire universe. Le Seigneur est le créateur de tout l'univers. Genesis 1 to 7. Genèse 1, 1 à 7. He is the creator. Il est le créateur. And Psalm 24, 1 to 2, don't bother. The one who will read, I will tell you. Okay. Psalm 24, 1 to 2. Verses 1 to 2. Psalm 24, 1 à 2. He said, the earth is the Lord's. Le cœur du Seigneur. The world and the fullness thereof. The earth, God owns the whole universe. La terre appartient au Seigneur. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So God, He is the giver and sustainer of life. Le Seigneur est le souverain, c'est lui qui contrôle toutes choses. He is our righteousness. Il est notre justice. He is our Lord and our Master. Il est notre maître et notre Seigneur. Praise the Lord. Gloire à Dieu. And you know, as the commander in chief of the whole universe, en tant que commandant de l'univers, He is always giving instructions. Il nous donne toujours des instructions. He is always telling people what to do. Il dit toujours aux gens ce qu'il God faut faire. God cannot stay without communication. Donc nous pouvons ne pas communiquer. He communicates to His people. Il communique à ses gens. Because there is business that is going on a daily basis in heaven. Parce qu'il y a des affaires qui He se passent. He gets reports of the things that are happening. Et le Seigneur aimerait que nous communiquions cela. And His people communicate to Him back. Et nous communiquons également. And they tell Him what is happening. En fonction de ce qui se passe. And He tells them what to do. Et le Seigneur nous dit ce qu'il y a à faire. And so if we are hard of hearing, et donc si nous ne sommes pas à l'écoute, we cannot cope. Nous ne pouvons pas coopérer. We cannot cope. Nous ne pouvons pas coopérer. So we have to get instructions. Nous avons besoin de recevoir les instructions, d'écouter ce qu'il dit. And we, as we have heard from our sisters, et comme nous l'avons vu, so many of them heard God this morning. La plupart ont écouté le Seigneur. He spoke to them in different ways. Il leur a parlé de différentes manières. One thing that I like and I love God for. Et ce dont pourquoi j'aime le Seigneur. God is not a monotonous God. Ce n'est pas un Dieu monotone. God is a God of variety. Le Seigneur est un Dieu. And God expresses Himself in different ways. Le Seigneur s'exprime de différentes manières. The problem is for us to yield to Him. Le problème c'est que that He will express Himself in whatever manner He wants to express Himself. Il peut s'exprimer He can express Himself dramatically. Il peut s'exprimer He can express Himself through signs and wonders. He can express Himself through audible voice. He can express Himself through deep and strong words in our hearts. Il peut s'exprimer de manière profonde dans notre cœur. Il peut s'exprimer de façon audible. God can express Himself through circumstances of life. Le Seigneur peut s'exprimer de plusieurs circonstances. But we are used to one particular way. Mais nous sommes utilisés pour un seul but. And if it is not that way, God is not talking. Et si ce n'est pas de cette manière, and if it's not that way, we cannot hear from God. Some people have come to this conference. Certaines personnes qui sont là. And God has been speaking. Et à qui Dieu parle?
partir au moment pas et quand on revient, maybe he will pass in worship, we did not hear him. Peut-être qu'il va passer dans l'adoration, mais on ne le maybe pas. He passed through drama, we did not hear him. Peut-être qu'il passe au travail du drama, mais on maybe ne le he passed through ministration, we did not hear him. Peut-être lors de la prédication, il parle, mais on ne le because we are waiting for prophecy to come. Mais par contre, on attend les prophéties. But God chooses how he goes. Mais le Seigneur choisit de quelle manière. And if we don't know the way he walks, et si nous savons we will miss it. God may be speaking to us in a still small voice. Through intuition, women, we know that we are gifted in that area. Women receive through intuition. Parce que nous sommes des femmes, nous fonctionnons selon l'intuition. And sometimes we mistake the voice of God. Et des fois nous ratons la voix de Dieu. I thought it was my voice. Et je pense que c'est ma voix. Maybe it's me. Because the voice of God is more pushy. Parce que la voix du Seigneur n'est pas brute. The voice of God is not forceful. La voix du Seigneur n'est pas forcée. He is a gentle spirit. Le Seigneur est doux. And he can drop a word. Et il peut nous communiquer quelque and chose. You may ignore it. Et vous ne le savez pas. Because it did not come in a flamboyant way. Parce que ce n'est pas venu de façon flamboyante. So I have mentioned the ways God speaks to us. If we look through the Bible, God spoke to the people of old and is still speaking through dreams and visions. Le Seigneur, si on observe la parole, on va voir que le Seigneur a parlé de différentes manières à plusieurs personnes. When we read about, you know, Peter, you saw when God told him, kill and eat. He said, how can I eat that? Because he knows the formal way. And God told him, hey, kill and eat. This God was telling him what to do. But he didn't know God to be God who can say kill dirty things. How can I associate with dirty things? Alors, nous savons comment Dieu a parlé à Pierre quand il lui disait tu me réuniras. Tu et manges autant pour moi. Il s'est demandé mais Seigneur comment est-ce que je peux manger ça alors que c'est défendu. That God was giving him a message concerning the Gentiles. Mais le Seigneur lui donnait un message concernant les païens. Because we have known one type, one way of working with God. Nous n'avons pas une seule manière pour marcher avec le Seigneur. God may be ministering to us his mind at a particular time, we will mistake it. Des fois le Seigneur veut nous parler mais nous ne sommes pas attentifs et nous ratons. May we not get used to God. May we not be over familiar with God. So we not think that we have not much of God. Parce que nous devons apprendre beaucoup du Seigneur. The ways of God are not our ways. His thoughts are not our thoughts. Les pensées du Seigneur ne sont pas les nôtres, ses pensées. Because our ways, sometimes we are parochial. Souvent nous sommes des perroquets. But God is not like that. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So God also speaks through into audible voice, still small voice. Le Seigneur parle de façon audible comme de façon pas audible. Praise the Lord. Gloire à Dieu. If you read Exodus chapter 3, 6 to 8. Si vous lisez Exode 3, verset 6 à 8. You will hear how he spoke to the children of Israel. Vous allez voir comment, de quelle manière ça s'est passé aux enfants d'Israël. And the point they said, God, don't speak to us. We just want Moses alone to speak to us because they could not stand the face of God. Ils ont dit non Seigneur, nous voulons juste que Moïse nous parle parce qu'il ne pouvait pas rester dans la présence de Dieu. God speaks to us through fellow men. Le Seigneur nous parle au travers des phénomènes. That's why sometimes they say the voice of God is the voice of man. C'est pour ça que le Seigneur dit que la voix des hommes n'est pas la voix de Dieu. You may be saying, God, I want you to speak to me. Vous devez dire Seigneur, j'aimerais bien que tu me parles. And people will be speaking to you, telling you things that you ignore it. Et les gens vont vous dire des choses qui vont finalement you vous ennuyer. You may not know that it's God that is speaking to you. Et vous ne savez pas que c'est Dieu qui vous parle à ce moment-là. One thing I like about God. Ce que j'aime chez le Seigneur. He can speak through things, not even what you do, things that are ignoble. Le Seigneur peut vous parler sur les choses que vous considérez. Can you believe that God can speak to you through a mad person? Est-ce que vous savez que le Seigneur peut vous parler au travers d'un fou? Sometimes you say, mad man, evil spirit, demon, I cast you out. D'habitude vous dites, au nom de Jésus, je chasse le démon. Et pourtant le Seigneur l'utilise pour vous parler. But God is speaking to you through a mad person. Et pourtant le Seigneur l'utilise pour vous parler. God can speak to you through an animal. Le Seigneur peut vous parler au travers d'un animal. When we are obstinate, when we are insensitive. Quand nous sommes obstinés like in the case pas of Allah, God spoke to him through a donkey. Le Seigneur a parlé au travers de l'âne. But may we not be so insensitive that God can speak to us through animals. Mais le Seigneur, les gens pensent que le Seigneur ne peut pas le faire. Praise the Lord. Praise the Lord. God can speak to you through nature.
Je vais vous parler au sujet de la nature. When you read Matthew 24, you will see those things. Quand vous lisez Matthieu 22, vous pouvez le voir. Through signs and wonders. Le Seigneur peut vous parler au travers des signes et des merveilles. In this season, God said, I will show sign in heaven and I will show sign on show sign on the earth. Je vous montrerai des signes dans le ciel et sur la terre. God is showing the nation signs. Le Seigneur peut nous montrer des signes. How many of us are hearing God? Combien de personnes écoutent? If we go to India, there will be an earthquake. Le Seigneur dit, he will go to Sri Lanka, he will cause one other thing. Il va faire le tremblement de terre par ici, de l'autre côté, il va faire autre chose. He will come to this other nation, he will do volcano, there will be an eruption. Il va créer l'éruption ailleurs. And the nation is hearing God. He will come, he will use the military ISIS, and we are praying. God is speaking. Le Seigneur parle. God is talking. Le Seigneur God parle. Is telling us we are in the last days. And he said in the last days, perilous things will happen. Le Seigneur dit que nous sommes dans les derniers jours et que dans les derniers jours. It's not about prayer, God forbid. God is talking. Nous sommes toujours en train de prier. There are certain things you cannot forbid. There are certain things that are inevitable. Il y a des certaines choses qui sont inévitables. And we have to hear God. Et nous devons écouter. And we have to ask God. In this situation, what do you want us to do? Because you are speaking. He is speaking in language that is loud and clear. He is speaking in accent that is loud and clear. Le Seigneur aimerait que qu'on lui demande dans cette situation, Seigneur, qu'aimerais-tu qu'on fasse? Et le Seigneur est en train de parler de plusieurs manières. Maybe the way he spoke to Nigerians are not the way he's speaking to America. Il ne parle pas au Nigeria comme il parle en Amérique. The way he spoke to America will not be the way he's speaking to Indonesia. La manière dont il parle au Niger, c'est pas comment il va parler. Have we ever heard in history missing flight and nobody can trace where the flight went? Il y a des moments où les avions disparaissent et on ne sait même pas où ils sont. On n'arrive pas à les repérer. Strange things are happening. Des choses bizarres. And these are the voice of God that is speaking. Et ça, c'est la voix du Seigneur qui parle. God speaks in different ways. Le Seigneur parle de différentes manières. There are signs he's giving. We have heard about blood moon. Il y a beaucoup de signes qui sont donnés souvent au travers même de la Sister lune. Was talking about Shemitah here. La sœur hier parlait de Shemitah. It's not only a season of rest and release. Ce n'est pas seulement un moment it's de relâchement. It's also a time of judgment. C'est aussi un moment de jugement. And we have to watch out the signs. Et nous devons faire attention, être vigilants. There is a sign he is displaying in heaven. Il y a des signes. The blood moon is a sign in our generation. Il y a des signes dans notre and génération. We may not see it again. Some of us we may not see it again if God tarries. Et beaucoup de choses, on ne va pas les voir. So what manner of people are we going to be? Do we see sign and just go and say, oh, it's a sign? Est-ce qu'on doit voir et juste dire, oh, c'est. Have we researched and say, what is this blood moon? What is it for? On va demander, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? What happens in the time of blood moon? Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans le moment de. We are talking about times and seasons. On parle de time et de saison. And he said he will use moon to display signs. Il va utiliser la lune pour montrer ces choses. He uses stars. Il utilise les étoiles. He uses wind. Il utilise ce qu'il veut. He uses flood. He uses natural things, nature. Il utilise la nature. But we have to hear God. Mais nous devons écouter le Seigneur. God speaks dramatically. Le Seigneur peut parler dramatiquement. Exodus 20:19. Exode 20, 30. When you read signs, he gave Daniel 5:24-28, when he told the shepherds that there was a handwriting on the wall. Alors, vous vous rappelez dans Daniel, il y avait la main qui écrivait sur le mur. I don't know the handwriting you are seeing on your wall. Imaginez un peu que vous voyez une main en train d'écrire. And God said, I post you as watchmen on the walls. Je te mets comme un surveillant du mur. God wants us to be watchful watchmen, not blind watchmen. Le Seigneur aimerait qu'on soit des sentinelles. God was lamenting about his watchmen. He said, they have eyes, but they are not seeing. Le Seigneur dit qu'il y a des they have ears, but they are not hearing. Ils ne voient pas. When we remember, we don't have eyes that cannot see. May we have ears that we hear in Jesus' name. Mais nous avons des oreilles, des yeux, des oreilles qui écoutent et qui entendent au nom de Jésus. We know that God loves us so much that he gives us privileged information. Le Seigneur nous aime tellement qu'il nous donne les informations privilégiées. But what do we do with those informations? What do we do with it? Que faisons-nous de ces informations? We don't take that. Oh, he spoke to us. What did we do with what he said? On dit, oh oui, le Seigneur m'a parlé, mais que fait-on de ces informations? And God speaks to us through prophecy. Le Seigneur nous parle
travers de la prophétie. And his son Jesus Christ. Et de son fils Jésus Christ. In Hebrew 1:1-4. Hébreux 1:1-4. He said, God, who at sundry times in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his son. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the world, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the power of by the word of his power. Hebrews 1:1-4. Alors, Hébreux 1:1-4, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors, des fois, le Seigneur parle et on a besoin d'écouter deux fois. Et quand nous voulons écouter deux fois, c'est pour avoir la confirmation. So he said, in sundry times, God has been speaking. Il dit que le Seigneur parle de plusieurs fois. And in the last days, he spoke to us through his prophets. It's not that he's not still speaking through prophets today. Le Seigneur dit, dans ces derniers temps, nous parle au travers des prophéties. But now, he's speaking to us through his son, Jesus Christ. Il nous parle également au travers de son fils Jésus. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Jesus came and his purpose, his meat was the kingdom. Le Seigneur est venu et son but c'était le royaume. He said, my meat is to finish the work of him who sent me. Alors mon but to do the work of him who sent me and to finish it. Mon but est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, de l'accomplir. Jesus came, he did not preach anything but the kingdom. Le Seigneur a appris à prêcher autre chose que le royaume. God has given us Jesus Christ as a prototype. Le Seigneur nous a donné Jésus-Christ comme prototype. He came and he spoke about forgiveness and reconciliation. Le Seigneur a parlé de pardon et de la réconciliation. He came to redeem. Il est venu pour acheter. Redeem. Acheter. Praise the Lord. Gloire à Dieu. I want us to look at Psalm 22:27-28. Let somebody read it in English, please. Psalm. Oh, okay. Le psaume 22:27-28. Que quelqu'un lit, s'il vous plaît. Psalm 22, 27 à 28. Somebody read it in English. Praise the Lord. The kingdom is of the Lord, and he is the governor among the nations. Le Seigneur est le gouverneur des nations, le souverain. So God has told us his mind, and his mind is to reconcile all nations back unto him. Le Seigneur s'est tourné vers nous afin que nous soyons réconciliés au travers lui par le Père. We know God discovered the nation because they defied the land and they defied, they were heathens and they did not serve the Lord. The nations were discarded by the Lord because they defied the land. Alors, nous sommes les nations et nous devons nous battre pour que la terre the heathen nations pour délivrer la terre. And God chose Israel. Et le Seigneur a choisi Israël as a firstborn nation. Comme une nation phare. And God is using Israel as a pace setter. Le Seigneur utilise Israël comme le chemin. And so that the world or other nations of the world will model Israel. Afin que toutes les nations puissent se tourner, regarder le modèle d'Israël. So we can God, we hear God from Israel. Nous devons écouter le Seigneur aussi au travers d'Israël. Because as God treats Israel, so he treats every other nation. Et de la manière que Dieu a choisi Israël, c'est la manière qu'il parle aussi aux nations. When Israel sins against God, God judges them. You will judge them instantly. Ceux qui ne veulent pas écouter le Seigneur les juge instantanément. And when they return back to him, he will return back to them. Et ceux qui reviennent au Seigneur, le Seigneur revient également à eux. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. And we are talking of Shemitah here, and we will see how God
nations. On parlait de Shemitah hier, c'est la manière dont le Seigneur utilise Israël pour parler aux nations. Pray. I want to say, how do we hear from God? Comment écoutons-nous la voix de Dieu? God is not a talkative. Le Seigneur n'est pas n'importe qui. He does not mince words. Neither does he waste words. He doesn't. Le Seigneur ne perd pas son temps. He speaks to those who honor him and trembles at his word. Le Seigneur parle à ceux qui l'écoutent et qui tremblent devant sa présence. And you cannot hear him when your heart is noisy or you are chatting away. I've said that. Alors, il ne peut pas nous parler si nous murmurons ou bien si nos cœurs ne sont pas disposés. When your heart is made up in your own decision, you cannot hear God. Quand tu veux le penser qu'à vos propres décisions, le Seigneur, vous ne pouvez pas écouter le Seigneur. Let me stop and pause here and make an illustration. Like some people, they have determined what to do. Yes, les personnes qui ont décidé de ce qu'ils doivent faire. But to fulfill all righteousness. Mais pour remplir cette vie. Please pray for me. I want to hear what God is saying. Et ils vous disent, vous ouvrez votre conscience, pardon, prie pour moi. J'aimerais savoir ce que le Seigneur dit. Let me use marriage as an instance. Laissez-moi utiliser le mariage. You have seen a young man. And you like love the young man, it's attractive, it's the word according to your standard what you want. Vous aimez, vous êtes amoureux d'un homme, vous l'aimez, vous le voulez, vous l'avez décidé. And you come and say, I want to know the will of God. Et tu viens, tu dis, j'aimerais connaître la volonté. As if you know it, it will change your mind. Et comme si il pouvait changer. When your mind is already made up. Alors que ta décision est prise. God cannot talk to you in that form. Because even if he speaks, you will not hear him. There has been a block, a wall in your heart. You have made up your mind what to do. So whatever God is saying, you are not hearing it. There was a story of a young lady in Port Harcourt. And suitors were coming for him. And she went to call about three people and said, please pray for my marriage. Alors, elle avait des prétendants et puis elle nous a dit, s'il vous plaît, priez. And the people that were praying for her, when they prayed, what they received was not palatable. Et en fait, quand les gens priaient pour elle, tout ce qu'ils recevaient pour elle n'était pas du tout bon. They were even afraid to let her know about it. Et ils avaient même fait. Is it better to pray? What is God saying? Et tout le monde demandait, mais qu'est-ce que le Seigneur dit? And the summon of courage. Et I said, oh, the person God is showing us is this blind man. Et la personne que Dieu nous montre, they said, God forbid the blood of Jesus Christ. Ah, God forbid. Elle a dit, non, Seigneur, pas ça. Je refuse au nom de Jésus. And after a while, another person came for her. Après un moment, notre prétendant est venu. She came back to the same people. Encore, he said, hey, thank God, I have prayed and the Lord has answered me. The Lord has shown me the man that will marry me. Oh, Dieu merci. J'ai un prétendant. Le Seigneur m'a venu, m'a donné notre prétendant. Within a space of 2 weeks. C'était dans un espace de deux semaines plutôt. They got married. Et ils se sont mariés. On their wedding day. Le jour du mariage, while they were walking through the aisle, et pendant qu'ils marchaient dans le couloir, the man slumped and died. Et le monsieur est tombé, il est mort. And later, she still married the crippled man. Et actuellement, elle a épousé la personne qui était infirme. But the young man has suffered for her sake. Mais le jeune monsieur est souffrant. So when we want to hear the word of, we should come with our heart plain. We should come not following our own words. We should come as people who are sincere, wanting to hear from God. Quand nous voulons que le Seigneur nous parle, nous devons ouvrir notre cœur, être léger, venir en nous attendant au Seigneur. You cannot hear from God when you walk in disobedience. Vous ne pouvez pas écouter le Seigneur si vous marchez dans la désobéissance. To hear from God, you must develop an intimate relationship with Him. Pour marcher avec le Seigneur, vous devez développer une relation intime avec lui. Intimacy. L'intimité. I want to say that there will be God does not shout. Le Seigneur ne crie pas. When you have a close relationship with God, quand vous avez une bonne, très bonne relation avec le Seigneur, He understands the sign of your heart. Il écoute les voix de votre cœur. You know, there is a way in a family when you are so intimate, your mother or your parents, when they talk to you, non-verbal language. La plupart du temps, quand vous voyez dans la famille, on se connaît, donc quand vos parents vous parlent, ils font seulement ça. Le geste, ça suffit. Comme ça.
You understood. Et vous comprenez. You know exactly what they are saying. Et vous comprenez bien because ce qu'ils veulent dire. You have been together. Parce que vous avez l'habitude d'être ensemble. Vous avez travaillé ensemble. So likewise, God. Et c'est la même chose pour le Seigneur. There are times that He will not just you can maybe I'm putting on this dress. Par exemple, je mets cette habit. Le Seigneur va remove it. Et après ça, il va. Some people say, ah, is it everything that you must rely on the Holy Spirit? Yes. Et les gens disent que c'est comme ça que tu dois compter sur le Seigneur. Oui. Some come with a message. Are you a robot that you cannot know? It is good to hear God. C'est bon d'écouter le Seigneur. Because He speaks to us to the minutest detail. Le Seigneur nous parle dans les moindres détails. God speaks to us to anything. Is it you know? There is this song that says, "What needless pain you bear, all because you do not carry everything to God in prayer." Le Seigneur dit que vous n'obtenez pas, tu portes les fardeaux, et là, il pourra te porter, il pourra t'alléger également. You may have made up your mind to go out, but God said no. Des fois, vous pouvez aller quelque part. But you have to discover how He says no to you. Et tu dois savoir pourquoi il te dit non. Like if I make up my mind to go to anywhere. Des fois, quand je m'apprête à aller. And my body is too heavy. Et puis mon corps est I will stand up and I will sit down. Je me lève et je I will go in and I will come out. Je vais faire les bains et bien. I know God is saying no. Je sais que le Seigneur dit non. Praise the Lord. Gloire à Dieu. You may want to go to somewhere and immediately either rain starts falling or there will be something. It's not always that you have to study to know. Il y a des moments des signes que vous devez déceler parce que le Seigneur parle. Because sometimes Satan may want to hinder you. Souvent c'est pour être un obstacle. But if you know and you discern, because there is need for discernment. Mais si vous cherchez à savoir pourquoi, vous avez besoin de discernement pour toute chose. You know that it's God that is speaking to you. Vous saurez que c'est le Seigneur qui vous parle. You have to obey. Et vous devez obéir. You have to be a sheep, not a goat, to hear God. Vous devez être un agneau pour écouter le Seigneur. In John 10, 26 to 27. Dans Jean 10, 26. It says, but you believe not, because you are not of my sheep. As I said unto you, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Praise the Lord. Alors mes brebis m'entendent et elles me suivent. You know, a goat is obstinate. A goat is obstinate. Vous savez, en général, l'animal est têtu. You want to take a goat to a market, you are not a goat. Je pense que c'est la chair. On la tire. Elle est souvent têtue. On la tire dans tous les sens. It will be struggling. Et ça va être difficile. But a sheep. Mais par contre, l'agneau. Follow your leader. Le Seigneur, l'agneau suit son maître. Follow your leader. Il suit son maître. Follow your leader. Il suit son maître. Il suit son maître. Sheepishly. De façon normale. That's why God calls us His sheep. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle les agneaux. Ces brebis. Sheep. You know, there is a leader, there is a shepherd, and God is our chief shepherd. He's the one leading us. And it's where He leads we go. And it's not one God wants to. If you're God, God wants to say, I want to lead you to France. You say, no, I want to go to Belgium. Le Seigneur vous dit, je vous amène en France. Vous dites, non, je vais aller en Belgique. Si tu es une chèvre. And God said, oh, I want to lead you to that. Why Nigeria? Since they didn't even have no Nigeria, of all the nations in the world, Nigeria that is crooked, Nigeria that is that, why should it be Nigeria? Except you are a sheep, you cannot hear God. Because a sheep is a follower. A sheep depends on the lead of the shepherd. A sheep does not have his own way. L'agneau n'a pas son propre chemin parce qu'il suit celui du maître. Un sheep is moumou. Le sheep est moumou. Follow. Il suit seulement, il suit. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. For us to hear God this season, we have to be sheep. Pour écouter le Seigneur dans cette saison, nous devons être les brebis. And he said, his sheep, if you belong to the company of sheep, you know the voice of God. Et si tu appartiens à la communauté des brebis, tu m'écoutes. He said, the voice of a stranger you will not hear. Mais tu n'écouteras pas la voix de l'étranger. There are many people today that are asking, should I be, should I not be? It's because you have not been able to decipher the voice of your shepherd. La plupart des gens se demandent qu'est-ce que je dois faire, Seigneur. C'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de discerner. When you know the voice of the one speaking to you, nobody will pull you, nobody will drag you. Nobody, should I
should I not be? Si vous connaissez la voix de celui qui vous parle, on ne peut pas vous amener en bateau partout. Praise the Lord.